Bah oui, c'est l'émission. Donc, bienvenue dans Guaking Live, l'émission où, où on joue aux jeux online, hein, contre les gens du live, hein, donc aux citoyens, pour les énerver, pour les guaquer, pour en rire entre nous, pour en rire avec eux après, une fois qu'ils ont compris ou pas, et faire avancer comme ça le monde, et on ne sait pas où ça nous a, où ça nous amènera, où on ira, mais on ira en tout cas. Bon, aujourd'hui, c'est un peu une émission exponentielle, parce qu'en fait, on était à Japan Expo aujourd'hui, avec, avec les frères, Aojin notamment, pour le tournoi Splatoon. Bon, on s'est fait baiser, hein, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous avez suivi sur Twitter, le tournoi Splatoon et le Twitch. On a perdu deux fois, alors en finale, une fois en demi, je crois, en finale ou en deux. Non, c'était en finale, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus, ouais, oui, c'était ça, en demi. En demi, off-stream, contre la Team Nintendo, la Team Nintendo League. Bah, le GG à eux, hein, qu'est-ce que tu veux, ils étaient... Nous, en fait, on est des joueurs forts, mais on manquait de cohésion sociale, et eux, ils jouent ensemble souvent, et voilà, et le GG, hein, tout simplement. Mon enfoiré. Et, sinon, après, on s'est réinscrit. Donc, le matin, on était à Aojin, Playiku, et un pote à Playiku. Et moi-même, hein, pour la team guac.fr. Et ensuite, PlayIQ et son SRAB sont partis voir Miyamoto. Donc, bah, ils sont partis voir Miyamoto. Voilà. Donc, du coup, ils ne sont pas réinscrits à la session de l'après-midi. Nous, on a quand même tenté. J'ai d'ailleurs tenté de recruter les finalistes qui avaient perdu contre la team Nintendo League. Parce qu'il y avait une meuf, elle était craquée. Et je dis, vas-y, viens, on fait et tout. Et on dit, non, non, je sais pas si on va refaire. Bah, tant pis. Ils ont pas refait. Son mec, je crois, c'est pas. Enfin, je suppose que c'était son mec. Enfin, un mec qui était dans leur team aussi, il était super fort. Je pense qu'on aurait fait eux deux plus Aojin et Wam. Ça gagnait. Mais bon, bref. Donc, comme. Pendant que j'essayais de recruter des mecs craqués, Aojin faisait la queue pour nous réinscrire. C'était chaud, fallait choisir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas, et les gens ils avancent et tout. Et la meuf elle veut pas nous inscrire si on n'est pas 4. Je sais qu'on s'en fout, c'est pour... et que tout le monde attend l'affaire de DVD, c'est pour ça que j'insiste là-dessus quand même. C'est ça qui est beau. Et donc, bah, au final, on a pris deux Belges au pif qui étaient dans la queue. Bon, bah voilà. Voilà, ils étaient pas mauvais, mais bon, c'était pas des mecs craqués, hein, je pense que, mais tu, même sans dénigrer, hein, mais... voilà, il y a vu le bizarre qui dit, moi, je veux savoir, voilà, ça me suffit, s'il y en a un, ça me suffit. Ah, le générique, merde, c'est vrai, le générique, ah bah, générique. Pour manger des pâtes, quoi. C'était bon. Ah, purée.
Ah, je fais soif hein, quand même. Donc je disais quoi? Donc oui, après on a réussi quand même à retourner en finale avec malgré qu'on avait deux schnappeurs schnapps belges. Voilà, c'est ça que je cherchais, belge. Bon bah je ne sais pas. Au demeurant sympathique, hein. Je crois qu'il y en a, il m'a laissé sa carte. D'ailleurs, vu qu'on est là et que tout le monde s'en fout, ça tombe bien. Alors, c'est qui? Comment il s'appelle? Ah, il a pas de Viter, lui. Alors, c'est Poker. Non, Pokestar 777. Il a une carte, voilà. Étudiant infographiste, hein, on fait tourner. Hein, si jamais vous voulez savoir, voilà. C'était lui. C'était lui, il était avec nous. Donc, sinon, que dire? Ah oui, DVD. Eh oui, DVD. DVD, les gars. Ça me fait chier, moi, d'en parler de DVD, mais. Parce qu'après, on va dire que voilà, on tape toujours sur les mêmes. Mais en même temps, le mec a fait le sac. C'est malheureux. Je veux même pas détailler l'histoire. Si vous allez pu voir, là, sur Twitter, là. Je sais pas, bon bah, on va en parler, mais très succinctement, voilà. Donc ça, j'avais préparé le stream pour machin. Comment ça s'appelle déjà? Splatoon. Parce qu'on va splatooner, je pense, un peu après. Hop. Alors un bon vieux stream Twitter, hein. Les bons vieux stream Twitter. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi le compte Twitter dernièrement de Lord DVD. Mais il a connu quelques remous ménages. Donc, bon, bah, voilà, je sais pas. Alors, c'est où qu'il y a l'embrouille déjà? Bon, après, moi, ça me concerne pas trop comme embrouille. Mais apparemment, alors, de ce que j'ai compris, hein, bien sûr, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Vu que ça a été vérifié, qu'on est sûr. Donc, comment ça? En fait, de ce que j'ai compris, Lord DVD est allé un jour dans le sud. Voilà. Il s'est embrouillé avec Kayane. Il s'est servi d'un Twitter pour tweeter de la merde du compte d'une association. Au demeurant très sympathique, hein. Des dramas de merde, oui, c'est de la merde, hein. Et voilà, et donc il s'est fait cramer. Et dernièrement, il a fait genre, oh, je suis. On m'a piraté, tout ça. Bon, bah. Voilà. Moi, j'en ai plus rien à branler. C'est vrai, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Ouais, il y avait Willy Benzé. Willy Benzé. Qu'est-ce que je cherchais? Voilà, ah, il y a Frio, voilà, ça doit être là-dedans. Il y a Frio qui cherchait c'est quoi l'embrouille. Voilà, donc. Moi, j'ai joué contre leur DVD. La vidéo ce soir dans Walking Live, voilà, bon, ça c'est moi qui parle, hein. Gaffe, il va tweeter en mage, no turbo. Voilà, c'est un mec de la SWGA qui dit ça. Mon stick a été hacké, c'est pas moi qui a mis le turbo. Enfin voilà, bref, c'est rigolo. Ah là 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 là. Et après, voilà, bon bah Kayane. Ceux qui veulent lire l'histoire, ils iront voir. Hein. C'est à moi, ça me fatigue. Moi je suis pas là. Laissez-moi. J'ai envie de dire c'est lui, c'est pas lui, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, vas-y, qui fasse ce qu'il veut. À la limite, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand c'est comme ça, on a envie de savoir ce qui se passe plutôt. Parce qu'avant tout, nous sommes joueurs. Nous sommes joueurs et on a envie de commencer ça. Au final, qu'est-ce qui nous réunit? C'est la passion du jeu. Du jeu de Street Fighter. Donc autant montrer directement ce match, hein, ce match de leur DVD, voilà. Ça ira plus vite, hein, finalement, un peu tous ces dramas, Twitter, tout ça. C'est de la merde, c'est des gamineries, c'est de la chiasse. Bon, c'est un peu dommage que des gens prennent ça sérieusement au point d'aller pirater des trucs et tout. C'est toujours dommage de verser dans les extrêmes, quels qu'ils soient, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Il y a de grands enfants. J'ai envie de dire. Ah oui, là, c'est l'interview du gars. Mais attends, il n'y a pas le son, hein, vous énervez pas. Dès que j'arrive un putain de malware beat, là.
Oh là là, mais Malwarebytes, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, Malwarebytes. Voilà, bon bah voilà. Hop. Mais Malwarebytes là! C'est quoi ça, machin? Vas-y, supprime tout, supprime tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais Malwarebytes, oh là là, mais Malwarebytes. Voilà, c'est bon, il est parti le Malwarebytes. Grand monsieur. Hein. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a le son? On a absolument. Ah, peut-être il faut attendre un peu. Des fois, il faut attendre un peu. Non, son, pas son. Son, pas son. Ah, peut-être ça lit pas. Alors avec VLC, des fois, ça lit pas le son. Très bien, très bien. Bougez pas. Hein. Bougez pas, ça arrive sous peu. Je vais essayer avec le Windows Media Player. C'est déjà plus beau. Et suspense, attends le son. Oh là là, Windows Player, mais oh là là, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un complot. Ah, voilà, il y a le son. Donc le son est dégueulasse, c'est normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est dans les conditions du direct, j'ai envie de dire. C'est filmé à la zob. Mais c'est aussi ça, le petit artisanat. Hein. Ah, je veux dire, c'est de la vidéo pétrie à la main, ça, les gars. Hein. Faut profiter. Hein. Là, des comme ça. Hein. Je veux dire, ça n'a pas ce côté léché qu'on peut vous sortir à coups de pognon. Ça, c'est de la vidéo fait maison. Alors, je veux voir si. Oui, comment monter le son? Vous énervez pas. Alors, hop là. Le son va être dégueulasse. Il est probablement possible que je raconte que de la merde. Oh là, c'est frame par frame, hein. Pourquoi ça lit pas bien? Bon, ok, très bien. Ça ne lit pas bien. Je pense qu'il faut que je copie en fait les vidéos sur le disque dur. Sinon, ouais, parce que là, je lis du truc relié. Voilà. Mais en tout cas, j'ai les vidéos, hein. C'est vrai, hein. Mais je vous dis, j'ai même pas rien fait, hein. C'est arrivé comme ça, hein. Direct. Alors, attends, il est où l'ordinateur? Ordinateur. Vous énervez pas. Il reste 885 gigas. Oh, ça va être short, hein. C'est quand même du Lord DVD là qui joue. Hein. C'est pas. Est-ce que voilà, bah je suis là. Très bien. Je vais foutre ça là. Coller. Bon voilà. Ça copie. Donc. Ça stream la copie, mon gars! Mais toujours au point. Oui, mais là, c'est. Là, vous comprenez pas, c'est de la fresh. Regardez, la caméra, elle est là. Je viens. Là, je sors de Japan Expo. Voilà, la caméra, elle est là. Je viens de la brancher. De la brancher au truc, quoi. C'est du comme ça, c'est du tac au tac. Je veux dire. C'est un peu la qualité de leur DVD, Ça stream la copie! Donc, dès que ça arrive, on est bon, j'ai envie de dire. Bon, la tendance Splatoon. Voilà, il y a un nouveau mode Splatoon. C'est ça que je voulais tester. Et demain, je pense, je vais hélas retourner à Japan Expo pour essayer de bourrer des petits enfants parce que il faut un moment que je gagne mes trucs moi aussi. D'ailleurs, la Nintendo League s'est fait bourrer en finale. Donc comme quoi, il y a une justice quand même par des vrais négros. Que d'ailleurs, j'ai interviewé un bug. Je pense sera. Il était heureux. Il était heureux. Complètement quoi que pouvait faire le gars qui a gagné. Il était tellement heureux d'avoir bourré les gars. Après, c'était craqué hein, parce qu'ils ont pu jouer avec le créateur de Splatoon. Et tout. C'est la violence, hein, franchement. Bon, voilà, c'est arrivé. Voilà. C'est bon, vos mères, vous deux. Alors voilà, on va essayer de relire le truc proprement. Alors est-ce que c'est ça? J'espère que j'ai. Ouais, de toute façon, on n'a rien filmé de ça. Au pire, si on voit un truc. Il y a normalement. Ah voilà, ça c'est. Non. D'accord, ok. Ça c'est la finale, ça n'a rien à voir. Modifiez-le peut-être. Ça doit commencer par là, je pense. Ouvrir avec ça. Bim! Lord DVD, vive la, vive la!
Ah oui, là j'essaye de lui faire un câlin. Mais c'est normal. J'essaye de lui exprimer mon amour. Mais cet homme n'en veut pas. Mais c'est dommage, ça, c'est dommage. De comme ça, de fermer la porte à l'amour. On ne peut pas faire ça normalement. Oui, donc, ah oui, c'est celle-là la première. Donc ça doit être celle-là la première. Aïe. Voilà. Voilà, donc là j'arrive, j'ai waouh, l'ordre DVD et tout, c'est la folie. c'est la folie. Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime quand même notre l'ordre DVD, hein. C'est le meilleur, hein, quand même, hein, c'est le meilleur, hein, c'est, on va dire, on en fera plus des comme lui, hein, c'est fini. Bah non, parce que à chaque génération après les mecs apprennent de leurs erreurs, mais là pas comme ça, mais là c'est du pur porc, hein, franchement. Il n'y a rien à acheter, hein, dans l'ordre DVD, hein, comme on dit. Hein. Tout est bon dans le cochon. Hein. Il est là. Oh là là. Le son doit être super fort. Attendez, je baisse un peu. je baisse un peu. Hein. Gros ce hip. Bon, vous voyez qu'il y a Sébastien Abdelhamid. Hein. Il est là. Un bon gars qui était venu aussi pour jouer à Street. Gros Ryu, hein, attention, Sébastien Abdelhamid, gros Ryu, hein, faites gaffe les gars. Et donc l'ordre DVD, le magnifique, regardez-le arborer ce t-shirt, ça vous paraît simple comme ça, mais c'est le charisme les gars. C'est violent, bon, voilà, donc le son bug un peu en fait, je vous explique un peu ma life, même si vous en foutez. Voilà, c'est la caméra de Ken Bogard, hein, je vous rassure, hein, je n'ai pas acheté de caméra entre temps, je vous ai pas fait d'enfant dans le dos. Je sais pas si vous vous rappelez, faut resituer les choses dans son contexte. Oh mais quel homme, j'ai envie d'embrasser l'écran, retenez-moi. Retenez-moi, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est parce qu'il y a ça qu'on met dessus la caméra avec un micro Bluetooth. Donc, je sais pas si vous vous souvenez quand Ken Bogard est parti au Japon la première fois, il avait eu des dons et il avait profité pour acheter du matos pour filmer là-bas et tout. Je sais que vous en battez la race, mais bon. Et cette caméra qui finalement ne lui est plus d'aucune utilité, bah est devenu guac.fr, hein. On lui a emprunté, on lui rendra un jour, bien entendu. Bluetooth, c'est ça Trux. Ah, gars sûr Trux. Bah, donc voilà, de type Sony, hein, japonisante. Donc je laisse défiler un peu, vous dites si le son est bon, hein. Dites-moi si le son est bon. Ou si il faut monter ou descendre, voilà. Il est abusé. Le salam. Putain, on n'entend rien. Ouais, tu vas, vas-y, interview. Il a joué contre le champion, Lord DVD. Tu l'as tué, c'est comment? Voilà, lui... c'est un des potes aussi du crew aux Illuminati, je sais même pas comment il s'appelle en plus, c'est un frère, hein. Mais je sais pas. Donc il venait de descendre et d'avoir battu leur DVD, comme quoi c'est possible, hein. Mais ce son, bah oui. Mais en fait c'est parce que comme, voilà, c'est ça que j'ai pas expliqué tout à l'heure, j'ai commencé à expliquer, je me suis arrêté, mais je suis sous les lampes DVD, je suis en mode, je suis fou. Donc... Oui, comme c'est Bluetooth, des fois, si on n'est pas bien en face de la caméra et qu'on tourne un peu avec le micro, ça fait des coupures. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, vous allez voir, je suis bien en face. Je pense que ça va être plutôt propre. Donc là, j'interview le mec qui a bourré le champion. Tu l'as tué, c'est comment? Bah, j'ai remarqué qu'il avait un petit point faible, il stressait trop dans le coin. Donc j'en ai profité, je bourrais le Shuriyu. Et puis finalement ça a marché au pif, complètement au pif. Est-ce qu'il avait sa manette turbo? Je ne pense pas, je pense qu'il pensait que j'étais nul, parce que je le suis. Mais bon, la chance du ramadan. La chance du débutant, la chance du ramadan, c'est propre. Ah, c'est pas assez fort. Le mec il est 100% ouais, complètement.
uniquement le Shoryu. La chance du Ramadan. C'est craqué la chance du Ramadan. Oh putain, je vais clamser. Oh là là. On entend bien le son ou pas? Est-ce qu'on entend bien le son? Oh putain, je vais mourir. Donc c'est bon, le son on entend bien ou pas? On m'a pas dit. Oui. Bon, j'ai eu un oui. J'imagine que s'il y a un oui, non. Remets un coup. C'est confirmé. Oui, parfait. Ah voilà, nickel. Bon, très bien. Oui, si vous voulez, je remets. Hein, pas de souci. Hein. Je pense pas. Je pense qu'il pensait que j'étais nul. Parce que je le suis. Mais bon, la chance du Ramadan. La chance du débutant, la chance du Ramadan. Voilà. Voilà, bon là je me tourne, on n'entend plus rien, ouais c'est le schlaps. S'en bat les couilles. Ah là là. Ah voilà, c'est ça que je disais. Je disais qu'il y avait DVD, qu'est-ce que je raconte. Il y avait Verdier qui disait que j'étais en train de filmer avec sa caméra et faire des vidéos sur sa gueule. C'est pour ça que je disais un pote derrière qui me disait: oh, t'as acheté une caméra, t'es devenu un ouf. J'ai dit: bah regarde, écoute ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire: bah oui. Bah oui, c'est ma caméra. Voilà. Voilà, qu'on lui a jamais rendu. Bon, après, on avance. Hein. Ah là, faut que j'arrive à jouer contre lui. Bon, bien sûr, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, j'avais briefé Sébastien Abdelhamid, hein, qui est un frère. Je lui ai dit: mec, s'il faut jouer contre Lord DVD, il faut que je joue. Il était chaud, lui. Il m'a dit: ouais, t'inquiète. Et on va arranger ça. Et Verdier aussi, je lui ai dit: s'il te plaît, Verdier, une fois dans ta vie, fais-moi jouer contre Lord DVD. Donc là, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais, j'espère qu'ils vont me choisir. On ne sait pas, mais Lord DVD, à sa décharge, le pauvre, c'était un peu le traquenard. Hein. Il a pas joué au jeu, hein. Non, parce qu'il faut quand même resituer les choses dans son contexte. C'est Street 5. Il a pas vraiment joué au jeu. Hein. Bon, tu me diras, moi non plus. Hein. Je n'ai que quelques frames d'avance, mais bon. C'est un champion de SF4. Moi, je ne suis pas un champion de Street Fighter. Lui, c'est un champion de Street Fighter. Donc, bon, si je suis champion de Street X3, mais bon, c'est des autres jeux. C'est des autres jeux d'un meilleur niveau. Mais, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, c'est un peu le traquenard parce qu'il est sur scène. Verdier choisit les gens. Tout le monde est complice. C'est la caméra cachère. Et donc, du coup, voilà, il est un peu là, il a pas joué au jeu, moi j'arrive, bon, enfin bref. Bon voilà, après je pense que ce n'a pas de beaucoup d'intérêt. Voilà, hop, la vidéo se finit, voilà, on va passer à une autre vidéo. Alors, qui doit pas beaucoup être mieux. Tout le monde est complice. Ah oui, là j'ai filé la caméra au mec que j'ai interviewé là, que j'ai interviewé. Donc je vais passer la caméra et c'est là où voilà, je monte sur scène. Bon là il a coupé. Hop, je ne sais pas pourquoi pas. On a envie de dire. Voilà, et là c'est là où on tente le câlin. On tente l'amour sur leur DVD. Mais il faut comment peut-on résister à l'amour? Moi je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. Hein, paix et amour, tu ne peux pas résister à ça. Ce sont des valeurs quand même. Hein. C'est ce sur quoi le monde est bâti. Hein, j'espère en tout cas. Bon attendez, je vous mets le son. Regarde, je vais lui faire un calme.
Mais il rigole quand même, hein. Il rigole, mais c'est pas un mauvais bougre. C'est pas un mauvais bougre, ben oui. Regardez, j'essaye de lui faire un câlin. Bon, il fait un petit break CD, mais... Voilà, je lui dis, fais un câlin. Mais fais un câlin quand même. Oh, c'est bon, là, Twitter, c'est pas la vraie vie, mon gars. Là, on est dans la vraie vie. On est des hommes. Non, mais... c'est... Putain, qu'est-ce que je le kiffe quand même, Lord DVD. Oh, c'est le meilleur. Puis... Hop. Ah voilà, Norman Chartier. Ah oui, Norman Chartier. Qui était Norman Genius, un autre complice du vice, j'ai envie de dire. Ne touche pas. Bah oui, il veut pas de mes câlins. Mais moi, ça me fait mal au cœur, hein, qu'il veuille pas mes câlins. Il se rend pas compte, mais moi, ça me fout la soirée en l'air. Moi, c'est. Et puis merde, quoi. Non, bon, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, je suis en mode fou. Il est train de viril, c'est ça. Les checks ratés, ouais, ça, c'est la base entre blancs. Regarde, là il allait pas jouer contre moi en fait. Je sais pas si vous voyez, hein, la déchoppe, ouais, c'est ça, il a complètement déchoppe le câlin. Et donc là c'est comment ça, c'est putain, c'est de la merde. Là vous voyez, hein, Abdel, là il a le stick avec lui, il l'a, mais donc c'est en mode je vais jouer contre lui. Sauf que voilà, hein, était hop, subtilement, vous allez voir, hein, ça c'est l'expérience, hein, ça c'est l'expérience, on peut rien faire contre ça, hop, birdie, moi je prends mon birdie, et hop, vous avez vu ça, tour de passe-passe, mon gars, hein. Il lui a passé le stick, et quel grand homme, hein, quel grand homme, Sébastien Abdelhamid, on ne le dira jamais assez, hein, hop, là, on revoit ce mouvement, hop, il lui a passé le stick, et voilà, et là, le destin était scellé, le mec tombe, voilà, il fait genre, et là, Lord DVD se dit, bon, bah, c'est bon, il va me bourrer, il va me bourrer, du coup, il y a pas, du coup, comme il va me bourrer, et bah, il aura pas joué contre moi, sauf que, nanana, subtilement, hop, il lui passe le stick en imbloquable. Et leur DVD qui s'en saisit quand même. Et là, tout le reste appartient à l'histoire. J'ai envie de dire que tout le reste appartient à l'histoire. Moi, je pense que c'est le bon moment pour envoyer une pause pub. Je sais pas ce que la passe aveugle, ouais, c'est complètement la passe aveugle, hein. Magic, hein. Magic Sébastien Abdelhamid, comme on l'appelle, hein. Sébastien Magic Abdelhamid. Bon, je pense que c'est le moment, il en conviendra d'envoyer la pub. Je veux dire, c'est comme quand tu regardes qui veut gagner des millions. La go va répondre à la question après la pub. Ah, je vais mourir. Ah, putain, je vais mourir. Ouf, karaté F1, elle est pas mal. Oh putain, je vais mourir. Des fois, on est trop con, hein. C'est comme ça. Là. Parfois, on est trop con. C'est vrai. Bon, un petit round ou je ne sais pas. Putain, je suis tellement heureux là. Ah là, la bedaine, mon gars. La puissance de Birdie, il me dit, mais tu joues Birdie? Je lui dis, bah évidemment, la bedaine, mon gars, tu crois? Oh là là, oh, ça va faire un gif animé, je le sens, hélas. C'est pas grave. Donc, Lord DVD prend son hache, hein. Pourquoi pas? Donc, j'ai mon Birdie, il a son hache. Bon, bah voilà. Après, excellente filmation du pote, là, la chance du ramadan. Et là, le match commence. Et pause, et on envoie la pub. On envoie la pub.
les bâtards. Ah, je pense, bon, on va faire un petit peu de pub. Mais vite fait, non, mais c'est parce que là, regardez, je suis en train de transpirer, là, je meurs, c'est pour que je... Ouf, j'arrive même plus à parler, Bobo. C'est pour aller chercher à boire. Non, mais c'est normal. Bon, bah, non, mais on le voit, là, regardez, je suis en sueur et tout, là, je suis tout rose. C'est pas mon état normal. Putain, on dirait un métamorphe. Attendez, j'allume un autre, peut-être. Ouais, non, c'est pas mieux, hein. C'est pire, en fait. C'est pire tout pire. Donc, bah, on revient. T'es trop gros. C'est ça, je perds du gras. Mais vous blaguez, mais je suis en train de maigrir à la Japan Expo. Vous ne rentrez pas compte. Franchement, c'est chaud, hein. Tous les jours debout, il fait au moins, franchement, au moins 5 ou 6 degrés de plus que dehors, hein. C'est violent. C'est archi violent. Bon, bah, à tout de suite pour la suite du match contre l'Ord DVD. Voilà. À tout de suite. Ouais, on est là, mon gars. Donc, oui, bah, c'est bon, là. Oh, bah, ça va. Ah là là, vraiment, on a plus de race, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ouais. On a plus de race, hein. Qu'est-ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on est con. Donc, oui, ça y est, on va montrer le match. Voilà, donc, Walking Live, tout ça, on joue contre les gens online, mais bon, là, c'est spécial Japan Expo, où on jouait à Street 5 en avant-première mondiale, quasiment. Et où, donc, j'ai pu affronter le champion de Street Fighter, Lordo DVD. Ah, d'abord, est-ce que ça a tweeté, tiens, on va voir si ça a tweeté. Alors, est-ce que ça a tweeté, regardons les tweets, je veux dire... On a un peu de temps, personne n'est pressé de voir ça. Fais gaffe à trop teaser, tu vas énerver un bot qui va hacker ton stream, d'accord. Le mec jubile un peu plus. Très bien. Regarde, Wopo, t'as même pas ton topic. T'as même ton topic déjà sur jeu. T'es au Panthéon. Ah, je suis pas sûr, ça veut rien dire. Hein. Est-ce que ça parle bien des mères là-dedans ou pas? C'est Monsieur Karaté, un génie. Tout simplement. Majin Buu. Ah, j'avoue, là, je suis complètement en Majin Buu, hein. C'est exactement ça. Ah, mais c'est mon préféré en plus, hein, gros Buu. Ah oui, avec Chao Zhu, Pilaf, enfin que les mecs intestables, quoi. Ah, il a vraiment joué Nash en plus, j'ai bien piffé. Ah ouais, bah oui. Certains rêvent de mettre une cartouche à une bombe sexuelle, monsieur Karaté. Lui, de faire un câlin. Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte, Air Cocotier. À force de devient rose. Je pensais que le câlin était de Chopspé, avec les boutons de Chop. C'est vrai. Paix à bourre. Attends, est-ce que... Ah bah ouais, il y avait là les caratweets. À quand Sylvain Birouf a cassé la scène sur Gaming Live. L'homme grâce à qui le DVD versus Karaté a eu lieu doit avoir assez dit, j'avoue, ça mérite. Hein. Ça mérite. Bah, je pense qu'il sera un peu plus cher que... Bah, quoique, on ne sait pas, hein, la passion de nos jours. Hein. Ça peut soulever des mandats. La chance du ramadan, c'est garanti. Ah, il y a eu plusieurs chances du ramadan. Le Shoryu du tour. Je vous c'est garanti la chose. Ah, il y a le hashtag la chose du ramadan. Ah, c'est craqué ça. J'avoue, il fait tête le gars. Oui, parce que en fait, c'était du 2 contre 2. Donc en fait, j'étais avec un teammate et il y avait DVD et Sébastien Abdelhabid qui étaient ensemble. Ah là là, qu'est-ce qu'on est con, putain. On est con, putain. Mais l'important, c'est de le savoir et voilà, d'essayer de s'améliorer, c'est ça, finalement. Hein. C'est... Bon, j'en vois, hein, je remonte un peu en arrière. Hein. Voilà. Donc, je propose qu'on...
qu'on voit d'abord, parce que on va le revoir plusieurs fois. Donc ton micro, ça quoi? Il est beau là le micro. Il est trop fort le micro. Il est trop fort. Ton micro sature. Ah là, là. Alors attendez, je vais baisser ça. J'arrête pas de rigoler aussi. Ah là là, putain. Je vais un peu. Hop, alors qu'il est comme. Et pourtant, il est comme d'hab, hein, le micro. Hein. Mais bon, je vais un peu, voilà. Hop. Là, ça devrait aller bien. Oui. Donc, je disais. Oui, je pense que on le regarde. On le regarde d'abord calmement. Voilà, hein, tranquillement. Puis après, on analysera. Hein, parce que. Et voilà, et on se repassera les meilleures actions et tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez voir que j'y étais en mode presse, hein. Presse, attends, faut que je cache mon nom. Voilà, cache presse, je sais pas si vous voyez guac.fr. Guac.fr, là, je sais pas, donne la caméra. Le badge presse, on le voit pas. Ah, faut que je... C'est... Guac.fr, voilà, le badge presse. Donc, ça pèse, hein, ça pèse tellement dans le game, on s'en rend pas compte. Ah, bon, je retourne ma casquette, et quand je retourne ma casquette, c'est fini, je ne blague plus. Ah. Donc, voilà, le DVD. Est-ce qu'on entend? On n'entend pas Verdier? Je vais mettre un peu plus fort. Gros zoning là du Nash hein, quand même. Ah, ça commence à parler de la config. Hein. Oh là là. Oh là là, il voit tout. Hein. Ah, c'est là qu'on voit que c'est un champion quand même. Hein. Ah oui, ouais, mais cette garde de ce birdie, les gars. Oh, un pif qui n'en était pas un. Et là, je passe en mode fou. Voilà, bon, bah ça, je me suis dit, il connaissait pas. C'est garanti. Le pif, je le prends, je m'en félicite. Attention. Ah, qu'est-ce que tu fais des boules? Qu'est-ce que tu fais des boules? On est con, bah oui, bah on est con, voilà, bah je vous le dis, hein, je vous apprends rien, mais on est con, ah putain, voilà, bon. Oh putain, comme ça, putain, là là, qu'est-ce qu'on est con. Hop, hop. Oh là là, je bourre un peu la chope. Hein. Bah oui, je bourre la chope. Oh, il m'a chopé. Le champion, on vous dit. Hop, hop. Oh là là, mais c'est phase pour sortir du coin. Mais un champion de Street Fighter, hein, tout simplement. On voit qu'il a les basics, quand même. Moi, j'essaye la chope sautée, totalement hors sujet. Voilà, attention. Oh, chop, je le mets dans le coin. Et attention, setup mytho. Attention, et il vive dedans sur mon setup mytho. Oh là là, hop. Mais ce coup là en l'air, il est intestable. Hein. Hop, setup. Oh, et le pif. Oh là, bon bah. Bon bah.
je ne sais que dire. je ne sais que dire. J'ai fait saut vide. Saut vide pif. Je fais setup, hein. C'est un setup. Non, mais ça, c'est les nouveaux setups, c'est Street 5, vous connaissez pas encore. T'avais ce guac international. Ah, putain, quand même. Donc, vous pouvez voir le setup, hein. Le setup est intéressant. Regardez le setup, hein. Là, je prends le pif, et là, vous dites, bon, il va perdre le round, c'est l'ordre DVD, quand même. Mais même pas, mon gars. Moi, je lâche même pas un round. Même pas un round pour les couffards. je ne lâche pas un round. Roundless, comme dirait Pachaka. Pachaka, si tu regardes, salut. Roundless. Une victoire roundless. Voilà. Donc, regardez, hop, le saut de la carpe, là, intestable. Saut de la carpe, comme ça. Hop, intestable, ça. Intestable en l'air. Hop, une petite chope, là. Bon, bah, là, c'est le mind, hein. Hop, et là, c'est top. C'est top. Whiff de MP. Whiff de MP, comme ça. Et le setup, sous vide max. Je ne sais pas ce qu'il a fait, là, l'ami DVD. Mais, ou peut-être il croyait que c'était une chope, il a backdashé. Ce n'est pas une chope, mais c'est juste un pif en fait. Et il a pris. Et après, bon bah là c'est la mort, hein. Et là c'est la danse, hein. Bon, bien sûr c'est la danse. La bedaine, forcément. Bon bah je suis heureux, voilà. Voilà, et là j'ai dit c'est le plus beau jour de ma vie. Haroun Taziev, ouais, c'est ça. Haroun, hein, secret de connexion. Ouais. Ah là là. Ah là là. Gros. C'est violent, hein. Voilà, bon bah après il y a mon match contre Sébastien Abdelhamid, mais bon c'est fini, moi j'avais fait ma journée, hein, les gars. Bon, il y a le mec Schnaps là qui joue, je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il a signé le stick, mais ou je ne sais pas, ou je pense que c'est je n'étais plus, j'avais utilisé tout mon chakra pour tuer DVD et et là c'est fini, hein. Je vous allez voir, je ne sais pas s'il y a le match contre Abdel là, mais gros match. Hein. Voilà, je lui dis, il me dit ouais, je coupe, qu'est-ce que je fais? Je lui dis laisse tourner la caméra. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout. Au diable l'avarice. Au diable l'avaricelle. On laisse tourner. On s'en va les steaks. On envoie mon gars. Magnifique, hein, magnifique. Le muslim geek. Il fait des bisous, tout ça. Ah là là. Ah là là, gros bison, hein. Vous allez voir, gros bison, gros Ryu, hein. Franchement. je vous laisse savourer, hein. Je vous laisse savourer, ça c'est magnifique. Le salam Zbog. La chope, bien vu. Dragon X. Punition au light, c'est le mieux. Hop. Hey. Oh, ça c'est son 2 hit, hein. C'est son BNB, hein. C'est vrai que je lui dis, il est nerveux, ce Ryu, hein. Bah, c'est vrai que tu peux pas l'embrouiller comme ça, hein. Le dragon est facile, hein. C'est comme la Treha, ça part vite, hein. Faut faire gaffe, hein. Ça peut partir à tout moment. Oh là là, mais ce 3 hit, putain, la barre, hein.
Oh là là, la chope. Gros Ryu, hein. Oh, les setups. Oh, et le stun. Gros Ryu, hein. Gros Ryu. Casse-garde, dragon. En mind. Le bison en face est assez inexistant. Je sais pas ce qu'il fait. Là j'ai pas compris. J'ai pas compris le but du bison, là. Il a fait 3 chopes d'affilée. J'ai pas compris. Je remets en arrière, je me permets. Hop, une, là c'est quand chop, chop, et la troisième est la bonne. Je ne sais pas. Hop. Oula, attention, ça va dragonner. Ah bah ouais, ça c'est... Ça pardonne pas. Ouais, ça pardonne pas. Gros Ryu, hein. Et là tu dis, là c'est déjà autre chose que l'ordre DVD, hein. Je veux dire, c'est le niveau au-dessus. C'est le niveau au-dessus, hein. Là tout de suite ça se voit. C'est dégueulasse. Ah là là. Attention. Si je puis me permettre, hein, comme excuse de sac aussi, c'est la première fois que je joue au stick au jeu. Parce que, en fait, j'avais testé derrière les bornes en free play. Les bornes en free play sont uniquement à la manette. Tu sais, c'est les bornes debout. Il y a l'écran et les deux manettes là. Et bon, c'est des bornes debout. Des pads. Du coup, voilà. C'est la première fois que je jouais au stick. Mais bon. Vous en faites ce que vous voulez. Mais gros Ryu en tout cas. Gros Ryu. Excuse de sac, c'est ça. C'est ça. Oh là là. Hop, 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 mon BNB raté, j'ai pris dragon. Hein. BNB raté, c'est dragon. Hein. Là, il dragon. Lors de DVD, il est en mode, ouais, vas-y. Moi, je... Hop, ah, il a vu quand même. Il a vu... Oh là là, le dragon. Ah, je suis stun. Hop, son dragon qui est pas bon. Ah, quand même, une chope pour punir. Là, j'essaye de faire la canette, mais j'appuie les deux boutons en même temps. Ça marche pas. Donc, il fait balayette, hein. Si tu avais les deux balayettes devant, en fait, c'est la canette, mais je sais pas, c'est... Je sais pas. Le stick ne répondait plus. Bon, là, j'ai voulu minder. Là, j'ai voulu punir. Voilà. Ça, c'est... Gros Ryu. Ah, gros Ryu. Gros Ryu. Bah oui, Modoshi Saba, il a dit, il est sur le chat, Karaté m'a sorti l'excuse, d'habitude je joue aussi quand je l'ai bourré, quand il m'a bourré. Mais c'est vrai, d'habitude je joue au stick, mais seulement là j'ai pris le pas de la manette, qu'est-ce que vous voulez, les gars, j'ai des cloques au pouce. Mais voilà, mais moi je me réhabitue pas comme ça, hein, Oh là là, le cross-up qui whiff. Le cross-up qui whiff par le bas moyen MP, hein, ça c'est les mecs qui voient plus loin, hein. Ça Abdelhamid il connaît, hein, ça se voit, hein. Il est pas au pif, hein. Hop, voilà, une petite chope. C'est ça, et là toujours pas de canette, hein. La balayette c'est la canette. Normalement je fais canette et chope sautée. Mais il y a jamais eu, je crois que les boutons ils ont dû se démapper. Ou je sais pas ce qu'il a fait l'autre collègue en bourrant le stick. Mais c'était plus les mêmes boutons que contre l'ordre DVD. Hop, hop, 3 petits points, 2 light dragon, la base. Ah. Ah, et le stun, et victoire. Gros Ryu. Hein. Gros Ryu. Hein. Énorme. Voilà, finalement, on se quitte bons amis. Mais c'est ça la leçon que je veux vous faire partager aujourd'hui, les amis. C'est que finalement, tout ça, c'est de l'amour. C'est du guac, mais c'est de l'amour. Et ça se serre la main, voilà. Et on se quitte bons amis. Et gros Ryu.
Ah, j'avoue, DVD, c'est premier degré Sama. Hein. Voilà, je lui dis, c'était un honneur de jouer contre vous. Bah oui. Un honneur, mais oui, un honneur kebab hein, là-dessus. Hein. Ah là là, putain. Bah, j'ai pas tenté le câlin, j'ai compris qu'il voulait pas. Hein. C'est malheureux. Il a servi à rien, lui, le gars, là. Il a servi à rien. Bon, voilà, bon, bah, le reste après. On s'en balait ce que c'était, hein, je pense. On a vu ce qui comptait. Ah, putain, grosse journée, hein. Grosse journée, hein. Ah là là. Oh là là. Putain, Lord DVD, hein. Est-ce qu'on fera mieux que Lord DVD un jour? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas. Ah, bien. Oh là là. Ah oui, sinon, pour parler un peu... Pour parler un peu du jeu Street 4, bah, je sais pas, vu qu'on a joué debout avec des pads ou un stick sur une télé qui lag, je ne sais pas encore. Le jeu est sympa, mais il m'a l'air toujours limité, en fait. Ça a l'air limité, j'ai pas l'impression qu'il y a 20 000 trucs à faire dans le jeu. Je sais pas, je... Y a pas... Je ne sais pas. T'en vas? Tu... Ouais. Ouais, la clé, je veux bien. Je l'ai pas. Je l'ai absolument pas. Comment? Très bien, merci. Bah, bonne chance. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Street 5. Street 5. Je sais pas, je suis mitigé. J'attends de voir, en fait, c'est très dur, hein, c'est très dur de juger les jeux à leur sortie. C'est très dur parce que il n'y a pas tous les persos, c'est une bêta. Et faut voir comment le jeu est joué aussi après de manière compétitive. Est-ce que vraiment le système est comment ça est cohérent et pertinent? On ne sait pas tout ça. Tant qu'on n'a pas joué vraiment voilà, les V-Trigger, les machins. C'est très dur hein, d'équilibrer. Hein. C'est pour ça qu'il y a une longue phase de test. Mais bon, pour l'instant, moi le jeu me dérange pas, hein, il m'a rien fait de mal. J'attends de voir déjà s'ils mettent un perso en short. De toute façon, je pense qu'on va y jouer hein, pour le schnapps, on y jouera de toute façon. Voilà. Mais bon, là comment ça. La morale de l'histoire, c'est que je suis meilleur que DVD. Que Lord DVD à Street Fighter. Ouais, c'est tout ce que je retiens. Ah, voilà. Et ça, c'est beau. Qu'est-ce que ça dit sur le chat? Le pavé de DVD sur Facebook. Ouais, pourquoi? Mais c'est pas par rapport à ça. Facebook DVD. Karaté. T'as un pavé de DVD sur ton Facebook? Ah bon? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, oh les mecs, vous êtes relous. Putain, bon, attendez. Je vais me loguer sur Facebook. Putain, mais les streams, réseaux sociaux, quoi. Je vais aller voir, hein. Alors, c'est quoi déjà mon blaze? Après, c'est peut-être pas lui hein, qui poste. Peut-être il s'est fait hacker son compte Facebook, hein. On ne sait pas, hein. Ah, j'ai 45 notifications. Non, c'est pas ça. Il est où DVD? Mais non, il y a rien. C'est où? Je vois pas, il y a rien. Ce stream doit être très intéressant actuellement. Je vois pas les gars, qu'est-ce que quoi? Alors que Moubot nous donne le Facebook de Gaming Live. C'est toujours bon à savoir. Non, il y a rien, je sais pas qui s'y fait. Est-ce que je l'ai en ami d'ailleurs, David Guillet? Je sais même pas. Ah, il est là. Oh, il est magnifique. Alors. Bah non, y a rien.
On est amis? Ah, on est amis. Bah, ça me fait plaisir quand même. Donc, on récap. Hack de mon site, hack de Ask FM, hack de Twitter. Ouais, c'est d'accord. On l'a à coup. Je me suis fait à coup. Oh. Bah, je sais pas, alors. Peut-être dans mon truc à moi. Non, y a rien. Je sais pas si vous racontez. De quoi? Bah, j'aimerais bien vous faire partager, mais y a rien, en fait. Ouais, il me dit qu'il y a du truc sur Twitter. Sur sa page, Guopor. Mais j'y étais voir sur sa page. Mais y a rien. Putain, les mecs, j'aimerais bien vous montrer, les gars, mais... Là, je... Il y a un pavé, ouais, mais ça parle de quoi? Ça parle pas de moi. Oh là là, j'avoue, c'est ça le truc, là. Mais c'est pas moi, ça. Il parle de je sais pas quoi, Millennium, machin truc. SWGA, Kayane, Ask FM, je sais pas quoi. Es-tu vraiment énervé de la pub de Mortal Kombat X? Je sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Scrute mieux. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les gars? Regardez, je vous montre si vous voulez. Attendez, hop. Je ne sais pas, attendez, hop, voilà. Là, il y a un pavé là de l'ordre DVD. Mais je ne vois rien me concernant. Hein. Là, c'est son histoire KNS, WGA, tout ça. Mais après, moi, je. Y a rien. Je sais pas de quoi dire. À 5h du mat, hein, une tierce personne. Ouais, il parle de son affaire. Là, je me suis fait hacker. Bah ouais, ça il fait ce qu'il veut, hein, c'est ses histoires, mais je... Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est sa vie, hein. Bon, bah je propose qu'on joue à Splatoon un jour. Parce qu'il faut quand même jouer à un jeu à un moment donné. Je pense que c'est ça le but de l'émission. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Pas très sûr. Ah, t'as raté le match contre Lord DVD à Street 5. Hein, hein? Ouais, tiens, on vient de le montrer là. T'as gagné? Bah, bien sûr, bien évidemment que j'ai gagné. Y a pas Honda. Il était. Mais moi, y a pas mes mains aussi. Hein. Il jouait au stick et moi aussi. Mais j'avais joué qu'à la manette avant. Puisque sur les bornes derrière, c'est à la manette. Bah, il a rien dit. Non, j'ai absolument rien gagné. Hein. Non, il n'y avait rien à gagner. La joie de dire que moi je suis meilleur que lui, tout simplement. Ah, c'est... Tu m'as dit il n'y avait rien. Tu m'as dit tout va bien. Donc moi, tout va bien. Ah bon? Oui. Ah, mais tu sais. Ah bon? Il y a des mailles quand je pose des questions. Ah d'accord, je savais pas, c'est comme ça. Tu veux voir le match? Vas-y, allez. Oh, mais les gens veulent le voir. On va pas le remontrer quand même, ce sera un peu abusé. Ce sera arrête, abusé. Arrête. Ouais. En plus, apparemment, il est dans la tourmente, là. Ouais, il est dans la tourmente. Il a d'autres soucis à gérer. Ne n'accablons pas une bête malade. Une bête à terre. Il n'est pas comme ça, bien sûr. C'est quand même...
Hein, je veux bien goûter, moi, ouais, ça a l'air mignon. Bah sinon, le laisse-moi un petit peu à la fin. Si t'oublies pas, bien évidemment. Ouah, il y a des nouvelles armes. Encore un rouleau. Non. Oh là 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 là. Putain, mais il y a tout le temps... Eh, mais c'est la drogue, ce jeu, je te jure, il va me tuer. Il y a tout le temps des nouveaux stages, des nouvelles armes, Comment ça? Et là, ils rajoutent un nouveau mode encore. Ouais, tout était déjà dans le jeu. Mais quand tu vois ça, tu deviens fou. Ah, plus tard qu'à la mare. Ah oui, c'est vrai que là, je suis sur la console de Gaming Live. Ouais, c'était bien Japan Expo, hein, franchement. Ouais, je suis allé. On veut le replay. Oh là là. Phase de gros port, ça a l'air mignon. C'est vrai que c'est une phase de gros port. Il y a eu un patch. Ah bon, il y a eu un patch. Putain, aujourd'hui on a perdu à Splatoon, ça m'a ZF, hein, je te jure. Non, mais on a perdu contre la Nintendo League. Et après on a perdu parce que voilà, on était avec deux schnapseurs, mais... Demain on y retourne avec Blackoon, hein, quoi qu'on va faire Blackoon. Ah oui, ouais. Blackoon, il est là, il est chaud, hein. Il a dit... Il va carry la game. J'essaie de... Parce qu'il y a les mecs de Nintendo League, ils ont perdu en finale. J'ai essayé de recruter un mec de chez eux. Je sais pas s'il va venir. Tous les jours, tu peux retenter le gros lot. Ouais, tous les jours, tu peux retenter. Ouais, tant que t'as pas gagné le gros lot. Qui est la 3DS. La New 3DS XL. C'est bien. Non, une chacun. C'est pas des rares. Quand même. Ils nous font pas... Hop, après, on se partage. On est obligé de la vendre, on se partage. Alors, quel camp veux-tu choisir? Ah bah moi, je choisis le rack. Moi, je suis un mec du rack. Rejoindre ce camp, tu ne pourras plus en changer par la suite. Je rejoins le rack. C'est le rack. Ah oui, c'est vrai que c'est pour le camp de truc de Gaming Life. Ça se trouve, ils étaient plus pop. C'est vrai. Oh là là, ils sont niveau 12. Oh, ils ont même pas toutes les armes, je suis sûr. Oh là là. Ah, mais de toute façon, moi, je joue avec l'arme de base aussi. Je vais regarder, je suis sûr ils ont rien. Ah, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi de la... Comment ça... J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi de la Japan Expo et de revenir ici. La dernière fois, j'ai tenté, je l'ai fait. Je suis arrivé une heure et quelques en retard. J'ai dit non, bon, bah, on va... Ah, mais c'est en fait, ça, c'est les armes. C'est pas des nouvelles armes, en fait. Je les connais, ces armes. C'est juste qu'ils avaient pas mis à jour depuis un moment. Mais bien sûr, c'est ça, les bugs. Putain, par contre, c'est le schnapps, hein, les règles du tournoi Nintendo à Splatoon sont schnapps, hein. Vous avez le droit qu'à une seule arme, tout le monde a la même arme, il y a qu'un stage, et t'es obligé de jouer au gyroscope. Voilà, comme ça, au moins, c'est équitable pour tout le monde. Tu vois, il y a pas de match-up, hein. C'est 5-5. Gyroscope, c'est dur. Mais j'ai réussi à m'habituer en finale, comme il m'a expliqué à Ojin, en fait... Bah en fait tu te sers que pour faire haut ou bas en fait. Tu vois, tu joues comme ça. Tu joues normal. Et tu fais gauche droite avec le truc pour la caméra. Et en fait ça te sert qu'à faire haut ou bas. D'accord. Et c'est quand tu maîtrises ça, ouais ça va, c'est jouable. Ah, du coup demain tu peux l'avance alors. Demain je suis là, hein. Putain, regarde les armes bloquées. C'est dimanche alors la place. Hein? Non, c'est valable pour tous les jours. Moi, on m'avait dit que c'était que le vendredi et dimanche. Ah. Wow, on verra ça. Attends. Non valable le samedi. Voilà. Donc, arrête de raconter n'importe quoi aussi. Voilà. Voilà. Putain, c'est-à-dire que je vais être obligé de revenir dimanche. Putain, j'aurais fait tous les jours, quoi. Tu veux aller dimanche, toi, non? Bah, si tu y vas, j'y vais. Moi, je laisse pas les frères tout seuls. En plus, ce sera cool le dimanche. Je pense que ça va être bien. Hein. On a vu, on est en voiture. Bon, de toute façon, moi, je joue l'arme de base. Je joue l'arme de base, donc de toute façon. Ouais. Go voir Twitter. Pourquoi Twitter? Ils ont dû faire de la merde. C'est possible. C'est possible qu'ils aient fait de la merde. Mais c'est. Voilà, il y a le gros Ryu, là, ce que j'ai dit, gros Ryu. Hein. J'ai perdu après contre Sébastien Abdelhamid. Hein. Gros Ryu. Hein. C'est vrai. Ah, gros Ryu.
Non, il... en fait, tu lui mets un light dans la garde, Dragon X. Juste, d'accord. Le jour des barres, en fait. Non, mais c'est pas ça, mais est-ce que t'as testé, s'il te plaît, le bloc en l'air ou pas? Tu peux bloquer ou pas avec lui en l'air? Je... Personne au monde, dans le monde entier n'a testé ça. Je sais pas, je joue pas. Je joue pas à Ryu. Non, mais juste voir si tu peux bloquer en l'air. C'est... Mais je pense pas. Ça, sinon, je l'aurais déjà subi, je pense. Aucun mérite, monsieur Cardé, sans sa manette turbo. Ses bottes et sa Honda Civic, leur DVD et plus le champion. N'importe quoi. Il était sur le nouveau champion français de street. Ah voilà, lui il connaît. Merci, ça fait plaisir. Il y avait quoi à gagner ici? Je lance de la bedaine. Hein? De quoi? Ouais, non, c'est le free play, c'est le free play. Mais je crois que le mec à côté, il a schnapsé le stick. Hein. La danse de la bedaine. Oh, ça va mal finir cette histoire, je sens que ça va mal finir. Ah oui, à un moment, je gagnais un round et je suis là à deux frames de sa gueule. C'est comme un lad maté. Oh là là, qu'est-ce qu'on est con. Putain, c'est pas possible. Hein. Il est aux anges. Oh, il a fait le glitchito, c'est vrai. GG, le glitchito, je respecte toujours ça. Ah là là. C'est vrai, au début on dit que on va parler succinctement de DVD et l'émission est basée sur. C'est faux, on joue à Splatoon là. On joue à Splatoon là. Oh les mecs. Ah, Facebook, DVD post, c'est ça. Ouais, mais c'est, il parle de ses sandwichs, il a. On bat les steaks, moi, de ça. Rien à voir dans tout ça, moi je fuis, moi. Après, on va encore m'accuser que c'est moi. Comme si. Ouais, que j'avais que ça à faire. Déjà, un intérêt. En plus, si j'allais à foutre d'aller. Bah oui, c'est ça. Moi, je préfère être dans la vraie vie, tu vois. Dans la vraie vie, c'est propre. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Bon, on va jouer un peu à un jeu. Ouais, je sais pas, il y avait le gyroscope de base. Ah ouais, mais il faut que je m'entraîne avec le gyroscope de toute façon parce que demain le tournoi c'est gyroscope. Hein. On va voir ce qu'ils ont comme équipement. Oh là là, ça a l'air pourri. Force de frappe. Bon, vas-y, je vais voir ce qu'ils ont comme équipement et on va les taper. Donc l'arme de base là, c'est quoi? Truc qui jette les machins plus loin, c'est de la chiasse ça. Ça c'est quoi? Levé d'encre. Là, il était dans le quand tu t'immerges dans l'encre. Hop! C'est vraiment vite, Zef. Hein. Ça, c'est quoi? Force de frappe, ouais, pourquoi pas. Buvard, pourquoi pas. Vas-y. Alors, s'il y a de mieux. S'il y a de mieux à proposer. Putain, ouais, le mec. Les mecs qui ont gagné, c'était craqué. Les mecs qui ont gagné aujourd'hui Splatoon, en fait, ils ont joué contre le mec qui a fait le jeu. Et il leur a filé la casquette, il lui a filé cette casquette, enfin, pas cette casquette exactement, la casquette, ouais, une casquette bleue, attends, mais d'ailleurs, ben oui, j'ai l'interview du gars, ben voilà, on va montrer ça, c'est peut-être mieux, la communauté Splatoon veut savoir, hop, je vais voir. On va jamais jouer à un jeu. Voilà, ça c'est leur DVD, le match. Hein, mais... C'est magnifique. C'est Sébastien Abdelhamid, un bon breaker. Bon, je... Bah, Street 5, bah je sais pas, c'est mitigé, faut voir en fait, faut tester plus. Voilà, interview. Voilà, c'est lui, regarde, t'as vu, il a la casquette. Putain. Ouais, bah c'est un mec du dojo, bien sûr. Bah, l'école des champions, hein, j'ai envie de dire. Bien, si tu mets une borne Splatoon au dojo, c'est craqué, hein, mon gars. Faudrait que vous ayez une borne Wii U. Faut voir. Bah. T'as quel tag dessus. J'avoue, t'es quel tag. Enba, il jouerait avec le mode Mario, là et tout, là. Bah, c'est craqué, hein. Non, mais tu mets un Smash Bros. Tu peux jouer à 8, t'imagines. Ça, ouais. C'est craqué, hein. Alors. Splatoon. Bon, monsieur, tu peux répéter ton blast? Mon blast, c'est Splatoon Guy. Son blast, c'est Splatoon Guy. Tu sais comment il s'appelle, en vrai? Je m'en rappelle plus. Moi aussi, je m'en souviens plus. Tu veux écouter? C'est un bon gars. Écoute, moi, je connais déjà.
Alors, faut jouer si le son est pas trop dégueulasse. Donc, interview, hein. Là, il venait d'avoir bourré la Team Nintendo League. C'est Abdoulaye Sarr. Jables, ouais, c'est un peu un Jables. Voilà, mais il a gagné, il était... Oh, il était bon. Le champion, on est avec le champion de Splatoon. Il a battu avec ses collègues. Hein. Ah, c'est Zoulou. Le mec, ah, c'est Zoulou, c'est Nintendo League en okay. finale. C'est tricheur, c'est des tricheurs. Mais c'était vraiment des gros tricheurs. Enfin, la première game, grosse interview. Ils avaient activé l'action replay. Donc, du coup, ils avaient tout le temps de bouclier. Heureusement, nous aussi, on a réussi à trouver un moyen de leur retirer leur bouclier pour ensuite les niquer leur mère comme il faut. Ah merci, ça fait plaisir. Moi, ayant perdu contre les règles de Nintendo League, ça fait plaisir que tu nous aies vengé. Et vas-y, fais voir les trucs que t'as gagné alors incroyables au monde. La casquette des dieux. Enfin, la casquette est tue, hein, c'est violent. Nulle part, enfin, vous pouvez le chercher n'importe où au monde, c'est mort. Vous le trouverez jamais dans votre vie, jamais. Unique au monde. Et le Sterpo, le Sterpo. Unique au monde. Le Sterpo qui est stylé aussi. Il est à l'envers, mais il est stylé. Poster aussi. Ouais. Oh là là, c'est une œuvre, hein. Faut l'encadrer, hein. Faut l'encadrer. En plus de ça, mais c'est Yoshi quoi, cette Woolly et la 3DS XL, on est bien. Ah, on est complètement bien là. Bon, évidemment, le tout va finir sur eBay. Alors, je le revends à 2 500 € et encore, c'est un prix soft. Normalement, c'est pour vous les spectateurs de Walking Live. Hein, parce que franchement, sinon, je le revends à 1 million bah d'euros. Bah oui, un mec ça. Heureux tout simplement. Ou sinon, tu peux le faire gagner en RT plus follow. Ouais, eux, ils sont plus là. Ah, c'est pas con ça. Ah, je vais faire un RT plus follow. Voilà. Après, le tirage au sort, il est pas garanti. Ben, ce qu'il y a en fait, ce qui est un peu relou, c'est que vous ah non, avez baisé du coup, moi je voulais m'inscrire demain queue, et ils risquent d'avoir les mecs de Nintendo League. Bah ouais, mais bon, ils vont hein vous niquer vos mères. Ouais, je pense j'espère pas, sinon je vais essayer de tiber avec eux. Je t'ai dit en tout tôt, cas, ça fait plaisir si t'as kiffé. Choses, j'espère que tu tireras le maximum d'argent de ça. Ah, le maximum d'argent. Ah là, j'ai tout le CPM de la Terre. Merci. Bonne année, ouais. Voilà. Alors j'ai magnifique casquette, hein. grosse interview. Ouais, c'est bien. C'est propre. Après c'est quoi? Ah non, mais là c'est la mort subite. Voilà, le mec de vitrine assis. Léon. Walk.fr Léon. Qui a gagné le tournoi Smash Bros. Il était en stress, hein. Il était en stress parce qu'il menait, il menait bien, et au dernier moment, il se fait égaliser et il y a la mort subite. Et la mort subite, c'est, ça se joue à un pif, hein. Ah, c'est cruel. Ça se joue à un mind game. Direct, c'est ça ouais, c'est ça. C'est, tu te fais toucher, t'es mort. Hein. Bon, je vous en prie. Pas de ça entre nous. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais acheter? Chapeau de roue, buvard. Durée de la spéciale, ça c'est bien ça. Top là. Maintenant, voilà. La durée de la spéciale qui dure plus longtemps, ça c'est propre. Ça aide toujours. Hein. Si ta spéciale dure plus longtemps, t'es bien déjà. Surtout quand t'as le bouclier. Le bouclier, non, c'était quoi que je voulais acheter? Des chaussures peut-être. Chaussures. La jauge de spéciale qui monte plus vite. Avec la spéciale qui dure plus longtemps. Le combo safe, j'ai envie de dire. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Un truc qui fait mal. Les vieux sons. Voilà, réduit la consommation d'encre de ton arme principale. C'est bien. Tu tapes plus longtemps, ta spéciale dure plus longtemps et elle se remplit plus vite. Ça paraît bien, sur le papier ça paraît bien. Un petit set propre, je pense. Peut-être je remonte un peu le son. Ou je le mette tout simplement. Voilà. Donc on va aller tester les nouveaux modes. Hein. Je sais pas pourquoi je marche à pied. Et voilà, première guacance. Des fois, tu dois jouer à des jeux, mais t'as pas droit en fait.
Vas-y, marche là. Connexion à l'internet. Oh, il est relou. Alors attends, est-ce qu'il est configuré l'internet? On a failli jouer à un jeu, tu te rends compte? Dans l'émission. Ça fait presque 2 heures, l'émission allait commencer. Ça joue pas, mon gars. Alors, qu'est-ce que c'est quoi internet déjà? Navigateur, non, c'est pas ça. Là, c'est, hop, liste d'amis, Miiverse. Oh, je sais même pas c'est où. Je sais même pas c'est où qu'il faut regarder. Bon, on va faire comme à l'ancienne. On va éteindre la console, on va la rallumer en espérant que ça marche. Bon, bah, ça, c'est les techniques du bled. Hein. Non, c'est bon, je rallume là. Hein ? T'as joué Yoshi ? Yoshi ? Oh là là, c'est le sale jeu. Pourquoi ? Non ? Tu as joué ? Non, mais je sais pas, il me donne envie, moi. Il te donne envie ? Ouais. Si tu veux tester. Ouais, tout à l'heure, ouais. Enfin, s'il y a le temps. Ouais, bien sûr, il y a le temps, mais. Accepte les frères sur cette console, sac. Ouais, 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 je vais vous accepter, mais. Si on n'a pas le online, je sais pas. Hein. Le no signal, ah, grosse hype, hein, le no signal. Toujours. Le no signal, c'est quelque chose. Hein. Ça et le message Microsoft, ce Windows n'est pas authentifié. C'est toujours des grands moments. Malware beat, hein. Ah, les amateurs de messages sont régales. Hein. Préparation de la mise à jour. Ah, d'accord, donc il y a une mise à jour. Bah on est bien. Moi je propose de faire une petite page pub. Ah, c'est toujours le mieux. Pub, t'es d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le mieux. C'est le mieux. On fait une petite page pub et on revient tranquillement. Ce sera terminé, la mise à jour, tout ça. Et Amdoula. Bah à tout de suite. Hey. Bon, voilà, la mise à jour est faite. Walking Life, tout ça. Tu connais les beaux. Et on va jouer à Splatoon. La mise à jour a été faite. La vraie mise à jour cette fois-ci. Alors ça dit quoi? Nouvelle du jour. Des modifications étaient apportées à Splatoon afin d'améliorer ton expérience de jeu. Bon, ça c'est le patch. Le patchouli. On te dit pas c'est quoi, bien évidemment. Ça c'est les stages actuels. Y a pas le stage où on joue. Le stage où on joue à la Japan Expo, c'est l'encre pot. Hein. Y a pas d'histoire, hein. C'est encre pot for life. Bah je vais essayer de jouer à Arc Bap tout fragile 95 bah mardi dans Wakasable. Mais il faudra qu'on l'ait obtenu. Si Trunks nous y live. Sinon on peut jouer à Fallout, hein. Fallout, moi j'ai kiffé, hein. Ton code, mon code ami, oui c'est vrai, le code ami pour ajouter. Ah, vous énervez pas les mecs s'énervent. Je sais même pas c'est quoi en plus, parce que là je suis pas sur ma console. C'est la console d'ici. Ouais, ah bah c'est Gaming Live. Voir. Voilà, c'est Gaming Live de base. Donc dubstep. Hop, ok. Hop là. Ah, y'a Gwak.fr Faustine qui est là. Avec qui on avait joué jeudi. Jeudi on avait... Non, bah non, on avait pas joué. Bah oui, jeudi on s'était fait guaquer. On arrivait trop tard pour les inscriptions. Nova, un gars sur du local record. Hop. Ah, et bah y'a Zoulou. J'avais pas vu y'a Zoulou. Alors, faut être Zoulou, il est là. Hein. Il est là, le champion de Splatoon avec ses gars sûrs. Bah, je sais même pas qui c'est, avec qui il était, du coup, il a même pas cité. Je sais qu'il y avait deux blancs et un autre négro. Mais il a même pas cité ses teammates, le gars. Hein. C'est là. Oh non, pas Mimi Hawk, pas lui, le mec qui joue rouleau, putain, Mimi Hawk. Hop là, Cocos. Bim. Et Zulu, toujours pas. Ténor. Voilà, j'ajoute tout le monde. Si j'ajoute tout le monde, on est encore là demain. Hein.
Kayane. Bon, j'ai ajouté Zulu déjà parce que depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Grosse hype, hein, j'imagine. Hein. Loneken. Il dit pas que tout le monde va m'ajouter là ce soir. Sinon, on va faire une demi-heure d'ajout. Hein. Moi, je m'en fous, de hein, toute façon. Sylvius, comment ça va? Ah, il y a Sylvius. Le salam, Sylvius. Bif. Biftech 6-4. Napoléon 1er. C'est superbe, superbe mi. Hein. Hop. Dodo. La dodo est là. Bam. Coyote. Hop. Ah, il y a Fille grand top à Splatoon. Hein. Top FR Splatoon. Hein. KNS. Oh. Ah merde. C'est le son, je sais pas, le son, il est en mode. Rumsteak, un gars sûr. Un gars complètement sûr, Rumsteak. Mais y'en a, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, hein. Regarde, y'en a, ça date d'y avant. Non, expire dans 29 jours. Non, quand tu envoies une vide, ça expire dans 29 jours. Ça veut dire qu'ils viennent de l'envoyer. Ouais, mais t'en as certains, il y a écrit 23. Et... Ouais, 23, c'est des vieux, ouais. Aogine, voilà. Aogine, voilà, ça, c'est guac.fr, Aogine. Mon gars sûr. Aogine qui, d'ailleurs, s'est barré avant la fin. Il aurait pu assister au guac de leur DVD en direct, mais les nerfs ont lâché avant. De quoi? C'était 23 jours. Ah ouais, 23 jours. Ah ouais, c'est des vieux, ça. C'est des vieux. Expire. Oh, il y a Risotto Show quand même. Ouais. Oh non, pas Risotto Show. Bon, je mets Risotto Show quand même parce que... Les styles sont bons. Ouais, j'avoue, les styles, il y a un petit air hein, quand même. Bon, on est bien. Là, c'est fini. Il n'y en a plus, là. Ouais, il n'y en a plus. On a tout le monde. Allez, on va aller ganker le Nashor. Les stages actuels. Centre Arowana. Est-ce qu'il y a le... Les docks? Non, c'est pas celui-là, le stage... Putain, et je suis jamais là quand il y a l'encre-pot. Du coup, on peut pas train sur le stage de l'Evo. Hop. Il n'est pas à l'Evo, le jeu, non? Non. Alors, il y a quoi comme mode match pro? C'est dans Match Pro alors qu'ils ont rajouté le mode. Mais non, ils ont pas rajouté de mode alors. Je crois que le truc Tower Defense, c'est où? C'est pas là. C'est où le truc de Tower Defense? Gaming Life, t'es, on est niveau 12, c'est ridicule. Niveau 12. C'est ça en fait. Le The Doo. Oh là là, ce stage c'est un enfer aussi. Et on est en bleu. En bleu nuit. Voilà. Ah ouais, lui il fait la technique de jeu repeint derrière. Il connaît. Tu vois là je joue au gyroscope mais tu vois je le bouge même pas en fait. Tu vois je fais que gauche-droite avec la caméra. Mais je joue même pas. Et juste si je veux faire haut ou bas, je m'en sers. Mais du coup c'est pas... Et c'est pas mal en fait quand tu es en versus, tu vois. Quand t'es en versus, faut c'est bien de sauter. Parce que t'es moins touchable et tu peux continuer à viser le mec en fait. Vu que tu peux incliner. Bon, tu peux le faire aussi. Ouais, c'est plus compliqué à la machin. Oh là là, le mec il envoie une bombe. Alors que c'était déjà vert là. C'est violent. Bon, on repeint. Hein.
Le bonjour à nos amis belges, hein, qui étaient avec nous, les Belges qui étaient avec nous. Franchement, il y en avait un qui était pas mauvais, mais son pote, un schnapseur total, hein, le gars. En plus, il remplissait le crâne. Je sais pas, il chantait tout le temps l'hymne du Standard de Liège. Je ne sais pas pourquoi. Un fan, le Standard de Liège, ça ne veut rien dire. Bah, je sais. Ah là là, mais bon. Mais jamais y'a personne à tuer ou quoi? Ah bah voilà. Quand même. Voilà, bah voilà, bah amène-toi que je te tue. Voilà. Bah tiens, je vais tuer ton pote aussi. Génocide. Ah, il veut mourir. Qu'est-ce qu'il y a? J'active mon gars. J'active ton truc, bah c'est bien, moi je vais me barrer. Je vais me barrer et on reste bons amis. Oh le mec il veut me faire le dos. Bon. Là c'est le moment d'aller trouver un collègue. Est-ce qu'il y a un collègue à moi sur qui s'appuyer? Est-ce que le mec me poursuit toujours? Non, il me poursuit. C'est bon. On est safe. On refait un petit bouclier. On est bien. Il reste 45 secondes. Est-ce qu'on est bien à la map? Ah on est bien mais en 40 secondes ça peut basculer hein. Votre vie peut basculer à Splatoon, ça va vite hein. Oh les bâtards. Surtout avec les mecs qui jouent ça là, le missile là. J'ai l'impression qu'il y avait un mec derrière dans le coin là. Il y avait pas un mec là. Voilà. Bah oui Julien, bah oui mon gars. Ah il l'a tué. Oh bon bah, c'est magnifique. Je l'ai rabattu sur mes collègues en fait. Tranquille hein, j'ai envie de dire cette map. Hein. Ah j'ai tenté la bombe de fin. Eh quoi? On s'est fait. Mais on a perdu? Non. Oh mais c'est violent. Ah. Hein? Non les kills comptent pas, hein. Les kills comptent pas du tout. C'est la truc ou pas? Bon, évidemment, j'ai le meilleur score. Je suis mort 0 fois, mais bon, on passe tous ces détails. On passe tous ces détails de Top FR. Le mode Tower Defense alterne avec l'ancien mode en mode pro. Ah, d'accord, ok. Donc, du coup, c'est pas tout de suite le Tower Defense. Ah, d'accord, ça alterne. Okay. Ah, il y a Fille qui nous a rejoint. Et les autres, je me souviens plus si c'est des gars qui m'ont ajouté ou pas. Le skill, bah oui, le skill, les gars. Le coupe-chou. Ah, putain, le coupe-chou. Grosse hype du coupe-chou. Victor. Victor. Grand monsieur Victor. Hein. Tu connais. T'as déjà joué au Fallout, toi? Tu l'as fait le New Vegas ou pas? Le 1 et les schnapps un peu. Le 1 et le 2. Le 1 là. Le 1 c'est chef-d'œuvre. Le 1 chef-d'œuvre absolu. Tu pèses tes mots. En cap pèse tes mots en moins. Hein? C'est ça que tu me dis. D'accord. Et tu le redis. Le 1 chef-d'œuvre. Je sais pas. Est-ce que tu as rejoué récemment? Ça a peut-être mal vieilli. Tu rejoues tout de suite. Là maintenant. En mode c'est ton jeu. Ouais le 1 c'est aussi j'ai compris. C'est un genre de Advance Wars quoi. Mais j'ai rien compris. T'arrives une map, il y a 20 000 rats. Et tu peux tuer personne en fait. Bah je sais pas je... Et t'as des points en fait. T'as des points de je sais pas quoi d'action. Ah ça m'a rendu fou. Non, si, j'ai compris après, mais j'ai trouvé le système super chiant. Ah ouais? Voilà. Non, il est humain. Regarde lui, il va te faire.
Ah là je suis mort par contre. Oh ouais, ouais, là j'étais pris dans un goulot d'étranglement. Ah par contre là les mecs derrière ils sont morts. Ah là ça sent pas le GG là. Oh là 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 là, ça sent pas le GG. Ah, est-ce qu'un mec à nous? Bon, je leur fais confiance et je vais aller repeindre là. Bon, il y a un collègue qui est parti repeindre. Ok, on va lui faire confiance à lui aussi. C'est important de faire confiance en les collègues, hein, ne jamais penser qu'on peut tout faire tout seul dans la vie. Parfois, hein, il faut s'appuyer sur les collègues. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. Parce que là, j'y vais un peu à poil, j'ai pas de bouclier. Ils sont tous là, J'en tue un, j'en tue deux. Je fuis, je campe, je me viens. J'ai eu le bouclier à la paye. Je tue un autre connard. Pour l'instant, ça va. A mon avis, ils ont tout repeindu, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un collègue à eux qui est là ou pas? Tu vois la map, toi? Passe. Et la petite bombinette, évidemment, de fin de match. Ah, je sais pas si ça passe, hein. Si, 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 ça passe. T'as quasiment deux tiers de la map, en fait. Bah oui, le skill, les gars. Vous croyez quoi? Moi, je veux gagner la New 3DS demain. Faut que je la gagne, faut que je la revende, j'ai un loyer à payer, hein. Bah ouais. C'est hein? De quoi? Non, c'est la New 3DS XL. Non, mais elle a rien de spécial. Bon, elle a rien de spécial, mais bon, ça se bicrave, non? Non, mais c'est pas une édition limitée. Hein. Non, non, ah oui, non, non je pense pas. Bah, c'est un jeu de combat un peu. Parce que Zil, il dit Zil 74, là. Il dit caractère actuellement fort à un jeu. Qui n'est pas un jeu de combat, mais c'est du combat, hein, franchement, c'est du jeu de combat, hein. Y a des combats dans le jeu, faut savoir gérer les 1 contre 1, voilà, après, l'expérience joue énormément, on ne se rend pas compte, en toute modestie, toujours, la modestie importante. Voilà, c'est tellement le jeu de la vie, Splatoon, c'est violent. Par contre, faudrait qu'un jour ils rajoutent des musiques, hein. C'est un peu pauvre en musique. Y a pas beaucoup de... Oh là là, tu quoi, t'as ton bouclier, je l'ai aussi mon gars. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu l'as activé après moi, donc tu vas mourir. Tu l'as activé avant plutôt, donc tu vas mourir. En plus, j'ai le truc durée spéciale qui dure plus longtemps. Ah, oula, par contre là il y a un collègue. Bon, je vais essayer de courir l'arrivée du collègue. Bon, j'ai essayé, hein. Mais le collègue s'est fait tuer. Voilà, c'était la mort ou la mort. Putain, j'aurais pas dû revenir en arrière. J'aurais dû laisser le collègue crever. Parce que là, du coup, on est morts tous les deux. Et l'action n'a servi à rien. C'est dommage, ça. Mais les collègues qui se téléportent mal, c'est... Ouais. Je dis toujours qu'il faut attendre de voir si le mec a gagné le versus avant de se téléporter. Ah, et là, l'aérogun. L'aérogun en 1 contre 1, ça, y a rien qui le teste, hein. Tout de suite, l'aérogun en 1 contre 1, y a rien qui le teste. Si vous avez pris un peu d'avance, vous avez mis quelques hits dans la gueule du mec, à la limite tu peux espérer faire mourir avec lui ou le tuer, mais vraiment si t'avais fait beaucoup de tirs avant. Mais sinon voilà, comme ça on a tous les deux. Voilà, je crois que c'est des petits plutôt. Ah merde, il a aussi lui. D'accord, très bien. Très bien, très bien. On se fait baiser. On va bien se faire dérailler dans le respect des mères là. Complètement. Bon, il reste une minute. C'est la minute de vérité. On va falloir procéder par intelligation. Bon. Là, à chaque fois que j'y étais, j'y suis mort. Donc j'y retourne comme un mec qui serait intelligent. Voilà. Là, un collègue arrive. Je reste là, je couvre, voilà. Collègue, ne me suis pas, très bien. Et bon, je suis mort, là, il... Ah ouais, l'Illidator Griffé tire plus loin que le Illidator Junior, très bien. C'est pas folichon, hein. Là, au vu de la map, je vous le dis là, c'est pas folichon.
Bon, on peut plus les tuer. On va tenter de ganker chez eux en espérant que ça fasse la dé, la diff à la frame. Mais là, je suis pas très fier de ce que je fais, je vous le dis. Ah, ça peut peut-être suffire. Je sais pas. Le dernier gankage. Non, ça me paraît mort quand même. Ah, je sais pas. Ah, il n'y a pas beaucoup. Ça, c'est le missile qu'il a acheté à la fin. Le dernier gankage. Le dernier gankage 1018. 1018. Ah ouais, il y a un collègue là, Zygarde. Zygarde pas safe, hein. Pas safe, Zygarde là. La fuse Zygarde. Zygarde, mon coco. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout. Ça arrive à tout le monde d'être moins bon sur une partie. Ah voilà, Ketroa nous a rejoint. Fille est là. Napoléon 1er. On l'a. Ouais, Zygarde, ça doit être un gars de chez nous alors. Hydralo. Hydralo, je sais pas. Est-ce que Aogine il va réussir à venir? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il dort? On ne sait pas. Dodo, Dodo 021. Ouais, c'est vrai ça. Il a raison, Zil, cette podcast. Peu importe la gueule de la map, je dis toujours que j'ai perdu. Bah, je sais pas, je dois être mauvais des yeux, je sais pas. À chaque fois que j'ai l'impression de regarder, j'ai l'impression que je vois que la couleur des adversaires. C'est. Bon, bah, c'est. Je sais pas. Ah oui, c'est la map où faut aller ganker. Hein. À cette map, très important d'aller tout de suite prendre. Ah bon, bah là, c'est baisé. D'aller tout de suite prendre le truc du fond. Pour après pouvoir empêcher les autres de venir le prendre à leur tour. Mais bon, là, visiblement, ils l'ont pris. Ils s'enjaillent. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a pas vu? Ça, c'est GG. Donc, ça derrière, on couvre. Je monte là. En mode toi-même, tu connais. Donc, là, on va aller vous déloger. Oh putain, là, ça sent la mort. Putain, juste quand le missile arrivait, ah c'est dommage. Là, faut qu'on arrive à aller déloger les mecs à 2 ou 3 pendant que les autres peignent derrière. Parce que là, vu qu'il n'y a personne derrière, on peut repeindre. Voilà, là, c'est... là déjà, on peut repeindre ici tranquille. Il y a des chips PPO. Là, il n'y a personne vu qu'ils sont tous occupés à défendre là-bas. Donc, même s'il y a un mec qui repeint derrière. Si j'arrive à faire mon bouclier, je suis yimbe. En théorie, je suis yimbe. Je vais essayer à faire le bouclier. Hop là. Oh, j'ai quasiment le bouclier là. Hop, oh bah. T'es pas monté par là. Ah là là. Putain, j'ai du mal au gyroscope à monter les trucs. Oh, y a un missile qui est arrivé. Et voilà, et je tombe comme une chiasse. Putain, là je sers à rien. Putain, mais le gyroscope. Oh là 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 là. Putain, le gyroscope, c'est trop dur. D'ailleurs, je faisais l'ancien, mais là... Il faut refaire le bouclier. La-di-da-da. La-di-da. Ah, ils ont repeint là-bas. Ah, les bâtards. Ah, il y a un gars. Voilà, j'ai mis mon bouclier. Je vais aller le biaiser. Il a son bouclier, bah c'est bien, tu l'as. Tu me respectes, je respecte. Ah bâtard! Voilà, ce que t'avais pas vu, c'est qu'il y avait un gars à moi derrière. Le sacrifice, hein, toujours. Donc alors, si Fi il a bien fait le taf, je me téléporte sur Fi. Fi ne meurt pas, s'il te plaît. Bon, il meurt à la frame, évidemment. Il suffit de dire ça. Ouh là là, bah oui, bah oui. Putain. Oh là là, ouais, ça sent pas la gagne. Bon, c'est la mort, là. Oublié. Voilà, ils sont partis prendre le carré du fond, là, dans le fond. Et après, ils ont jamais lâché le truc. Je l'ai vu que c'était pas bon. Quand on est parti, j'ai vu que tout le monde repeignait derrière. J'ai vu que c'était mort. C'est ça, hein, c'est... Ça se joue. Oh là là, mais le pauvre score que je fais. Ah là, très 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 mauvaise gestation de ma part.
Et là, tu peux tester le nouveau mode pro en fait, vaguaquer des innocents. Attends, attends, on refait. Attends, je vais pas rester là-dessus. Je vais pas rester là-dessus. When the brain is born, burp. When the brain is born, burp. Then the brain is born, burp. Faut prendre le carré. Ben oui, le truc dans le fond, là, la grande place dans le fond, dans ce stage, c'est plus important. Une fois que tu l'as, tu peins. Une fois que tout est peint, tu empêches les mecs de venir. Même s'ils ont tout repeint derrière, à la fin, vers 30 secondes de la fin, vous repartez ganké et c'est gagné, c'est cadeau. Donc évidemment, c'est la map que j'ai dit tout à l'heure. Regardez, hein, cette fois-ci, j'y vais. No more regrets. No more drama. Voilà, il y a un connard déjà, on le biaise. Et là, c'est bon. Ah, il y a un mec qui a réussi à revenir avant. Purée. Alors, je vais essayer de faire un bouclier. Voilà, j'ai mon bouclier. Voilà, il veut peinture lurée. Tu te crois malin, mon gars. Attends, bouge pas. Je vais t'avoir à l'ancienne, moi. Voilà, ton petit dos. Il est bien, ce petit dos, aussi. Voilà. Oh! Putain, j'ai activé le bouclier en réaction à la frame. Je crois que j'étais vraiment au bord de la mort, là. J'avais pris quelques balles. Il n'en faut pas plus. Voilà, et là maintenant on va les empêcher de ganker. Alors très important c'est de reprendre ce truc là. Ah il est pendu. Oh bien joué ça. Là il est arrivé d'en haut, c'est cramé. Voilà, le GG. Nova. Est-ce qu'il restait des gars derrière moi? Il en reste un, faut pas qu'il perde, il a perdu. C'est baisé, on l'a quasiment perdu la map. T'as la cruauté du stage. Bon, je vais essayer de faire un bouclier derrière pour espérer ganker. Et c'est là où le chat vocal nous manque, les amis. Nos amis de Nintendo. C'est là où le chat vocal manque. Où on devrait dire, bon les gars, n'y allez pas tout de suite comme ça. Vous allez vous faire tuer. Attendez que tonton il fasse un bouclier. Parce que le bouclier, l'avantage, c'est qu'on peut le donner à ses collègues. On peut se le passer. Passe le bouclier à ton voisin. Mais là, non. On peut pas. Ah, on le baise. Lui, on le baise. Voilà. Et là, faut essayer d'aller reganker. Mais putain, mon dos, quoi. J'étais loin. Putain, il a la même arme que moi. Putain, j'étais loin. Bon, allez, faut pas qu'il meure. Napoléon, faut pas que tu meures, frère. Ne meurs pas. Ne meurs pas, frère. Si tu meurs pas, on a une chance. Voilà. Regarde, lui, il regarde ses chaussures. Voilà, regarde bien tes chaussures, couillon de fille. Voilà. Là, on est plutôt bien. Voilà, là, il y a un collègue qui va arriver. On couvre sur l'arrivée du collègue. Et c'est bien. C'est le team play. C'est la bogossitude. Toi, t'en jailles pas trop, mon coco lapin. Hop, je lui donne, il lui donne, on se le donne. Alors, lui, il faut pas le laisser. Voilà. Faut pas laisser des sales races comme ça. Ou faire des enfants dans le dos. Là, ça repart tranquille. Ah putain, j'ai plus de bombes. Oh là là, il arrive. Putain, mais t'as pas le temps de réagir, quoi. C'est Azéub. Ouais, je pense qu'on a perdu. Ouais, je pense qu'on a perdu bien. Ouais, on a perdu bien. Tranquille. Tranquillement. C'est dommage, à un moment, on a réussi à bien ganker, à revenir, mais là. Là, c'est dur. Hein. Putain, j'ai fait 6-3 quand même. Hein. Le meilleur tueur de la partie. Mais voilà. Ça n'a pas suivi. Karaté, faut pas jouer dans sa team. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait 6-3. J'ai tué 6 mecs. Toi, t'as fait quoi, fille? En plus, je l'ai tué, fille, à plusieurs reprises. Non, mais c'est. Il faut. C'est de la tactique. Franchement, c'est que de la tactique. On était bien là, il fallait camper. Zygarde est pas safe. Ah oui, ah bah c'est ça, Zygarde lui il est pas safe, hein, ça c'est sûr. Putain, mais encore cette map, mais il y a deux maps au hasard, pourquoi c'est tout le temps celle-là? Alors je suis avec Kayane et qui? J'ai pas vu. Bon, on est du côté.
bon, on est du côté. Hop. Je suis, ils sont partis ganker déjà, les gars. Bon, alors, à ce moment-là, si, voilà, les mecs sont déjà en place. Il y a une technique qui est pas mal, c'est de repeindre ici. Comme ça, je fais mon bouclier et j'y vais avec le bouclier. Voilà, là j'ai le bouclier. Là on peut aller discuter. Voilà, toi, bah, c'est bien. Je suis ta race plus tard. Mais jamais il meurt le mec. C'est violent tout ce que je lui ai envoyé dans la gueule. Là faut fuir, faut fuir, faut fuir. Le petit dos, le petit dos. Ah le petit dos. Putain. Ah l'aérogun, c'est tellement pété l'aérogun. Putain, le vieux fille, il joue aérogun ou rouleau quoi. Il joue pété ou pété. Ah le bâtard, il l'active, je l'active, on l'active. Voilà, je t'ai baisé mon gars. Allez, laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Ah le bâtard. Ah putain, j'ai pas réussi à tourner. Putain. Et voilà, c'est ça qui se passe, c'est que les mecs se repop à chaque fois. Il faut qu'ils gagnent le versus. C'est bon, ils ont gagné le versus. Allez, on y va. Là on est bien, à une minute de la fin, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Voilà, Napoléon Taras un petit peu. Ah, j'ai plus de armes. Ça c'est tellement la guerre. Bon, tu veux me faire le dos, t'étais archi cramé, fille. Fille, faut pas être dans sa team. Hein. Qui disait, je t'ai bien bourré mon salaud. T'apprendre à l'ouvrir ta grande gueule. Bon, lui il va me baiser. Je fuis. Ah putain. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont plus que nous ou quoi? Ou les collègues ils font rien. C'est quelque chose ça quand même. Les collègues. Bon, je vais aller repeindre là, mais sans grande ambition. Oh, en plus, il y a un connard qui est déjà là. Oh là là, il a le bouclier. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, c'est bon, t'as Daron. T'as Daron, mais ouais. Voilà, j'ai tué fille encore une fois avant de mourir. Oh non, mais là, les collègues, là, j'en peux plus, les gars. Là, les collègues, je t'ai tué à la fin encore, je t'ai tué. Moi, je suis sûr que j'ai fait plus de kills encore. Putain, mais les collègues, ils servent à rien, mes collègues. Je vous le dis, c'est les collègues, là. Dodo, 0, Kayane, 0, Coco, 0. Voilà, c'est bien ce que je disais. Fille, il a fait 4-4 comme moi et il se la raconte. Alors qu'il est à l'aérogun, quoi, le gun le plus pété de l'histoire. Et il se la raconte, le gars. Moi, je joue à Aerogun, je fais au moins 18 kills. Bon, je vais aller voir le match pro. Participer. C'est ça, alors, le match pro, tu dis? Cette rage. T'es niveau 12, mon gars, mais c'est la console gaming live. C'est la console gaming live. C'est pas mon stuff. Le stuff. C'est pas mon stuff. Ben oui, je suis un rageux, alors. Ah, c'est ça, le mode expédition risquée, alors. On va tester le nouveau mode. Tous les mails. Ben ouais, mais à un moment, Zygarde, faut qu'il arrête aussi. Alors, je connais pas du tout ce mode-là. Oh là là. Qu'est-ce donc que ce mode-là? Ouais, déjà, je crois que j'avais jamais vu cette couleur. Ce bleu... bleu clair, là, il me dit rien. D'accord, très bien. Le GG. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Hein. C'est quoi le but, là? Pourquoi il y a un filament, là, au milieu? Ouais, il y a des mecs qui campent au snipe dans cette map. La base. Voilà.
Il est où le mec qui campe au snipe? Ah, il est parti. Alors, est-ce qu'il va me poursuivre, le mec? Il me poursuit, non, il me poursuit pas. Je sais absolument pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Je suis en mode au pif total. Je me balade, je tire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un coffre à versus là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que c'est que ce mode? Faut me trouver la notice là, parce que là je comprends pas. Je comprends absolument rien à ce qui se passe. Je sais même pas ce que je fais, ni à quoi ça sert. Bon, je sais que je vais baiser un gars, voilà, c'est toujours ça de baiser. Mais je sais pas du tout ce que je fais, ni pourquoi je le fais. Mais je suis là, et je m'enjaille. Voilà. Ah, y a un truc là. Y a un truc. J'en sais rien du tout. Je n'ai absolument rien compris. Tu dois faire avancer la plateforme. Ah, on a perdu. Bon, bah, très bien, on a perdu. Tu dois faire avancer la... D'accord. Moi, je suis mort 0 fois au moins. Y a une plateforme. Je l'ai absolument... Alors on refait, donc il y a une plateforme à faire avancer. D'accord. Il faut colorier le carré. Quel gros sac quand même. Bah non, bah si ça veut pas être sac, si je connais pas ce qu'il faut faire. J'aimerais bien faire ce qu'il faut, hein. Mais j'ai pas compris. Tu as une plateforme. Alors Joe Linker nous explique. Tu as une plateforme, restez dessus pour qu'elle avance jusqu'au bout de la map. D'accord, il faut faire avancer d'accord, une map. Très bien. Il faut faire avancer. Ah, c'est ça alors le comment ça, le filament là. Le filament au milieu. Très bien, très bien. Bah je savais pas. Donc alors, elle est où notre plateforme alors? Mais là, elle est pas là la plateforme. Si c'est ça? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Peut-être qu'elle est au milieu. Peut-être qu'elle est au milieu et qu'il faut se battre pour la plateforme et après on... Je ne sais pas. Ah voilà, là il y a une plateforme. Effectivement. D'accord. C'est la campo snipe. C'est la campo snipe la plus totale. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Voilà, et une fois qu'on l'a tué, on fait quoi? On va dessus. Voilà, on va dessus. Et après? Ah mais si t'as pas de snipe, t'es mort dans la vie en fait. Comment tu fais sans le snipe? J'ai rien compris. Il veut rien dire du tout le mode. Hein. J'active ça, voilà, comme ça j'encaisse une balle. Écoutez toi mon salaud. Mais viens là, tiens, avec ton snipe de merde. Oh non. Oh oui, je l'ai tué lui. Bah elle est où la plateforme là? Elle est où? Bah elle est plus là. J'ai rien compris. Ah elle est là en free juggle, d'accord, elle est à personne. Donc il faut que je reste dessus, très bien. Oula, ça sent pas la gagne ça. Ah putain de cacahuète. Putain, il veut rien dire le mode, c'est... Mais ce mode du mal. Ça veut rien dire de devoir faire avancer un truc là, au pif là. Oh là là, putain, je suis tombé comme une merde. Bon, j'ai la super, je sais pas pourquoi je continue à tirer. Bon alors elle est où la truc là? Ah, il y a un collègue à nous dessus. Très bien. Je
mort, sale bâtard. Voilà, et on fait avancer la platezouille. Ah voilà, et quand on emmène à l'autre bout de l'écran, dans la truc chez eux, on a gagné. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je sais pas, ça a l'air schnapps, hein. Quand aucune équipe ne reste sur la plateforme, elle retourne au centre de la map, d'accord. Ça me semble legit. J'avoue, la super a fait le taf, hein. La super nous a beaucoup aidé là. D'accord, ok, donc en fait c'est ça. C'est le vrai mode karaté, t'es un ouf, d'accord, je sais pas. Je vais voir s'il y a l'autre mode. Mais j'avoue, là, ça force à la cohésion sociale, hein. Parce que là, on est vraiment obligé d'avancer en équipe. Mais snipe, ça a l'air fort, hein. Parce que pour déloger les mecs ou empêcher les mecs de s'approcher... Par exemple, lui, avec son truc au corps à corps, bon, j'ai peut-être de la merde, mais... L'autre avec l'éclat buster, l'arme du corps à corps, je sais pas ce qu'il va faire, hein, mais... Si, peut-être à la limite, si les mecs sont dessus le truc, lui, il descend de la plateforme et il essaye de... Et règle les gens. Pourquoi pas. On verra bien. Ah voilà, c'est là, il a complètement éclat blasté, hein. Mais t'as Daron avec l'éclat blaster. T'as Daron aussi. Ah ouais, je sais même pas pourquoi je suis mort. Je compte faire une superbe esquive de côté, je suis mort. Que fait la police? Ouais, j'ai essayé de faire une super. La super qui est censée monter plus vite. Et durer plus longtemps aussi, hein. Oh là là, ce skill. C'est pas les ouf. Voilà, quasi chien. Quasi galère. Oh là là, c'est la guerre. Oh, c'est la guerre. Oh là là, mais une hécatombe, hein. Mais monte sur la plateforme, couillon. Voilà. Ah, mais il y avait un bug. Oh là 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 là. Ce mode. Ça a l'air le schnapps le plus total. Hein. Ça doit être fort aussi de jouer le missile là-dedans. Oh là là, mais là... Ce génocide. Bon, là, il y a un bouc qui est dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ouh là là, ça sent la mort. Hop. Arrête de sauter comme un couillon. Genre, tu gères le versus, connard. Oh là là, elle s'en va. Ah bah, qui m'a shooté dans le dos? Oh, elle est belle, la France. Putain, mais là, ça veut rien dire, quoi. Faut mettre le bébé au micro-ondes, quoi. D'accord. Pablo, le fameux Pablo. On va se téléporter un peu. Passer sur les côtés. Bah, elle est où la truc? Ah, elle est devant. Ce mode. On va piquer une grenade. Et ton petit dos, mon gars. Oh là là, vite. Oh non, il n'a pas gagné. L'autre, il a rien servi avec son truc là.
Oh, y'a personne qui est devant. Oh là là, ils sont en train de revenir. Vite, ils sont en train de faire avancer le bébé. Oh, c'est tellement la guerre. Oh là 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 là, le proxy blaster. Ouais, c'est ça, le proxy blaster. Oh, y'a un bouganou devant. Allez, je me téléporte. On piffe. Évidemment, tout le monde nous attendait. Oh là là. Sans pas la gagne. Oh là là, on va se faire biaiser. Est-ce qu'on va se faire biaiser? Oh, ils ont bientôt amené le bébé chez nous. Faut tuer la mère, faut tuer le bébé. Oh là là, l'hécatombe. Il est où le truc? Il est là. Il est à nous. Allez, faut qu'il avance là. Vas-y, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Je suis pris dans le dans un boulot d'étranglement. Ah! Oh là là, je comprends rien, je fuis. Une bombinette. Oh là là, mais ce mode. Mais ce mode, les amis. On a le bouclier, c'est bon, on est bien. On a le bouclier, on est bien. Ça gank le Nashor. Et la mort. La mort ou la prison. Mais... ce mode... On a gagné ou pas? Oh putain, on a perdu! De 2! De 2! 60 à 62! De 2! On a perdu de 2! Ah ouais, mais c'est le... Eh, mais c'est le mode de l'hécatombe, hein. J'ai fait quoi, moi? J'ai fait 11-9. Mais c'est tué ou être tué, hein. C'est violent. C'est violent. Bon, c'est l'heure de la pub. Ça se voit complètement. Mais on revient dans un instant. Mais de, vraiment des instants. Hein. Oui, on est relâ, on est relâ. Bon les enfants, je vous cache pas que moi demain j'ai un tournoi Splatoon à gagner. Toujours essayer d'aller gagner cette console sur le stand Nintendo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc demain il faut que je me lève un peu tôt parce que pff, les inscriptions c'est cruel hein. À 10h30 t'es pas là, y a pas, c'est la mort hein. C'est la cruélité même. Donc vu que Nintendo League ils reviennent pas, vu que le Zulu et sa team ont gagné, bon il y aura peut-être des mecs forts, mais dans l'immédiat moi je tente ma chance. Donc demain on va y retourner. Alors voilà. Donc, SS7 n'ayant pas vu le match de Lord DVD, on va lui remettre. Il va nous éclairer de sa sagesse. Tu analyses le match, ça? Ouais, petite analyse, petit consultant technique. Voilà, petit consultant technique. Et après, on va se quitter, bons amis, je pense. Hein. Hein, tu l'as fait gagner, RT plus Forlo, la console. Bien évidemment, Sab 699. Mmh. Il est tellement là ce gif animé, ça, cette rage, tu vois, emmagasiné. Oh là là, qu'est-ce qu'on est con. Alors il est où le cham? Ah il est là, il est là. Donc c'était pas celui-là, c'est pas celui-là. Ça doit être ça, je crois. Ouvrir avec lecteur Windows Media. Il me semble. Tiens, bah vas-y, prends le son. Ouais, le casque, ouais. Ah, 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 sans me déchausser. Ah, ah, le crâne vient avec. Voilà. Ah oui, il m'a repoussé, il a déchopé. Bah, il a une déchoppe hein, quand même. C'est leur DVD. Tu l'as. Mais c'est là où tu. Mais non, mais Abdelhamid, il était dans la conférence. Bah, je lui ai dit, moi je joue contre leur DVD. Donc, il lui a subtilement.
hein, via un tour de passe-passe incroyable. Il me touche pas et tout. Il est mignon, David, il est mignon. Ouais, ça déclenche un peu au début. Ouais, bon, le son c'est filmé à la zone. C'est ça qu'on veut, hein, c'est... On a des chopes. La bedaine, mec. La bedaine. Joe Bedaine, hommage à Joe Bedaine. Moi je suis birdie. Tu trouves? Ça va? Grenache. Ouais, il a une glissade. Il a un genre de glissade du singe à la Blanca. Je sais pas pourquoi, il a tous les pouvoirs. Hein. T'as vu? Avec les lights, comment il stun? Ah ouais, j'avoue. Reviens en arrière. Ouais. 60%. Mais je crois que Nash, il y a peut-être des histoires de. Il y a peut-être des différences de. Ouais, peut-être qu'ils réagissent pas. Ouais, mais du stun. De là, tac, tac, tac. Oh, j'avoue, ouais. Ça, c'est un combo normalement quand tu le rates pas. Ouais, mais combo, il stun bien. Hein. Ouais, j'avoue, ça stunait bien. Hop. Là, j'aurais fait le combo, il était stun. T'as vu le jeu comment il est cruel. J'avoue, là, j'aurais. Le jeu, comment il est... Parce que ouais. Les dégâts, ils vont super vite. C'est ça. Si il est stun, c'est fini. Hein. Là, j'aurais réussi le combo, il était stun. Faut pas que Capcom voit. Qui laisse le stun sur les lights aussi fort. Non, mais t'as vu le stun sur les lights? Ouais, c'est violent. C'est mais n'importe quoi. Là, j'ai reçu le combo, il était stun, ouais. Je refais le combo, j'ai gagné. Et t'as gagné, voilà. Ça va trop vite, hein, je trouve. Ça va un peu vite. Hein. Ça va un peu vite en besogne. Un petit peu, ouais. Mais. Mais quoi? Dans Source... Non, parce qu'on parlait du stun. Dans Source Rise, tu te rappelles que le stun, c'est la même pour tous les persos, sauf qu'ils ont pas la même barre. Ouais, c'est ça. Là, par contre, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes barres, mais peut-être ils sont peut-être pas. Ça va changer après. Non, peut-être ils ont les mêmes barres, mais, oui. Mais eux, ils résistent d'accord. Pas pareil, tu vois. Non, c'est-à-dire, en fait, la barre, visuellement, c'est la même, mais en pourcentage, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça, ouais. Comme une barre de vie. Comme une barre de vie. Vas-y, vas-y. Un petit peu en arrière. Ouais, j'avoue. Pousse des chocs. Ouais, juste... Ah ouais. Et encore, c'est Honda qui fait une chose. Et hop là. Tu vois, en fait, ça, il connaît pas. Ah, c'est là le fameux. Tu vois, bon, il connaît pas, le pauvre. Il ne sait pas. Mais en fait, quand tu passes en V-trigger, son coup, la tête, armor. Il est full armor. Full armor. Full armor et... C'est inarrêtable, quoi. C'est ça. Faut essayer sur un Shinquad, ok. Mais il y a plein de tests à faire. Hein. Franchement, je l'ai pas vu se faire arrêter. Et il est super safe en garde. Hein. C'est chaud à punir. Hein. Faut juste sauter, en fait. Ouais, faut le faire whiffer, ouais. Mais donc, faire un Hadouken devant lui quand il est en V-trigger et il a un ex, c'est... Ouais, je pense qu'il veut l'enlever, ouais, cette histoire de camp, voilà, Hadouken, d'Adotra. Alors, hop, là, je passe, comme ça, j'ai deux pifs de ex. Bon, là, j'en mets un au pif, hein, ça fait le taf. Ça fait déjà le taf, on peut le dire. Et là, je vais faire un Hadouken. Hop, j'en vois un. Je suis con quand même, putain. J'ai ça fait rire, mais quoi, c'est ça le pire, je pense. C'est assez roundless, effectivement. Hop, hop, hop. Là, j'ai raté le demi avant. Mais je kiffe bien Birdie, il est marrant à jouer. Mais après, j'ai l'impression, voilà, c'est un petit magain, une petite fazouille. Et... Mais je sais pas si ça. Si, en l'entière, il a des bons normaux, il a des normaux craqués. Mais c'est son pif, là, de charger un bouton et de relâcher. C'est comme les télélags un peu relâchés, tu sais jamais à quel moment. C'est pas évident. Mais
je pense que tu seras bien habitué au rythme de la charge sur un bouton là, du relâcher pour le pif, c'est quelque chose hein. Et là attention, chop, et là regarde, gros setup, whiff, sous vide, Fury, ça passe. Non, c'est pas une chop speed du tout, c'est juste un pif. Bon bah ça c'est la base hein. Bah la chose P, non en fait moi j'essaye de conditionner beaucoup la garde avec les lights. Et après j'essaye de voir si je vois que le mec est en mode pour le choper, mais il avait pas l'air très chopable, donc moi ça ne dérange pas. C'est pour ça qu'à la fin je lui mets saut vite pif hein. J'ai l'impression il avait peur de la chose P, à chaque fois il se barrait. Donc je me suis dit je vais faire saut vite pif, il va prendre parce que voilà, il veut pas de... Il est pas en mode rester tranquille. Donc bah ne reste pas tranquille, tant mieux. Fra Bouc Et là, évidemment. Je fais une petite danse. Hop. Et la bedaine. Dans le DVD. La badaine même, ça et la badaine. Oh là là, bon là j'ai gagné. Regarde, un bon walker hein, aussi, Sébastien Abdelhamid. Qui c'est qui filmait là? C'est un mec qui l'a interviewé, que j'ai interviewé juste avant, qui l'avait bourré lors de DVD aussi. Du versus fighting. Il est là. Il est où? C'est là? C'est pas là l'interview? Hein? Ah non, là c'est lui qui se met à filmer, donc ça doit être ça. C'est... Ah non, ça c'est quand on avait filmé la veille, je regardais, j'essayais de jouer. Ah, ça c'est des vidéos de Guac.fr inédites. Hein. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être après. Ouais, tu vas, vas-y, interview. Ah, là, c'est lui. Il a joué avec lui un peu. Ouais, tu vas, bon gars, interview. Très très bon gars. Tu as écouté l'interview, les garanties. Hein. Bon, je refais l'interview. Hein. De toute façon, là, c'est la fin de la danse du cal. Ouais, tu vas, vas-y, interview. Il a joué contre le champion lors la DVD. Danse du cal. Tu l'as tué, c'est comment? Bah, j'ai remarqué qu'il avait un petit point faible, il stressait trop dans le coin. Donc j'en ai profité, j'ai fait un petit bourré, je bourrais le Shoryu. Et puis finalement, ça a marché au pif. Complètement au pif. Est-ce qu'il avait sa manette turbo? Je ne pense pas. Je pense qu'il pensait que j'étais nul, parce que je le suis. Mais bon, la chance du ramadan, c'est ça. La chance du débutant, la chance du ramadan, c'est propre. Ça va bien, hein. Ah oh ouais, j'ai vu que c'était un gars sur direct, hein. Ouais, il était là. J'ai vu que c'était un gars sur direct, j'ai dit tiens, tu vas filmer. Propre, sans problème. Il a fait le taf. Franchement, d'ailleurs, il a bien filmé, hein, c'est propre. Filmé, hein, ouais. Rien à redire. Hein. Futur réalisateur, on ne sait pas. Hein. Des vocations naissent pour peu hein, de nos jours. Bon, bah, les amis, on va se quitter. Je sais pas. Voilà, suivez nos activités. Guac.fr, comme d'hab. Le Twitter Mister Karat. Suivez 7K aussi et Miles, c'est important quand même, faut le dire. Et demain je vais essayer de gagner ce putain de tournoi Splatoon. Et je sais pas, ah, vous voulez faire un dernier tour sur vas-y. Est-ce que ça a qu'à tweeter hein? Réconciliation entre Kayane et Lord DVD à la Japan. Espérons hein. J'espère que la chance du ramadan sera avec toi pour le tournoi Splatoon. Enfin, j'espère aussi. Yo des chips, pépéo. Qu'est-ce qu'il dit, Blackwood? Non, c'est spitation. Va rentrer, gros porc de merde, dans le stream. On a tournoi demain matin. Non, voilà. C'est Blackwood, ça, c'est pas... Non, c'est spitation qui se fait passer pour Blackwood. Mais ouais, oui, je sais, oui. Regarde, tu vois, là il y a écrit spitation, en fait, là. C'est spitation. Blackoon. Il a le même. Bah, Blackoon, c'est Blackoon. Regarde, tu veux voir. Blackoon, c'est Blackoon. Hop, tu vois, il a Yang. Hein, Yang. Tu vois, ça peut être que Yang, Blackoon. Effectivement. Ça peut être qui d'autre. Ah merde, on n'avait pas l'image, donc on voyait rien. C'est magnifique. C'est pas, on te voyait toi. On voyait moi qui voyais les tweets que tu pouvais pas voir. C'est pas mal. Bon, bah là, on a RT. Oui, Fallout 1, il est magnifique. Fallout 1.
Il est magnifique. Franchement, c'est un super jeu. Hein. Ça me fait mal à la tête que tu... Ah non, mais j'ai pas dit que c'était de la merde, attention. Oh, j'ai dit qu'à l'époque... Mais à la base, c'est un jeu de stratégie. Oui, c'est ça. Bah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Point de compétence. Point de compétence. Il faut avancer. Faut machin. Moi, j'ai avancé comme un âne. Je pensais qu'il fallait aller chercher un truc ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a 50 rats qui me sont tombés dessus. Ah, et tu les uns après les autres. Ouais, bah, moi, il y en avait 6 ou 7 sur moi. Non, il faut. En général, le premier combat, t'en as 3 ou 4. Mais après, tu prends le flingue, tu les tues. T'as peut-être pas équipé le flingue, t'as pas fait les trucs, t'as pas visé. Si, j'ai fait tout ça, mais il mourrait pas au bout d'un coup de gun. Et le coup de gun, en fait, il coûte. Ouais, des fois, il faut plusieurs coups de gun. Hein. Il coûte 4 points d'action et t'en as 6. Mais ça dépend de comment t'as fait les stats. Si tu fais un mec qui est fort en gun, ça lui coûte rien. Ah ouais. Parce qu'en fait, t'as plusieurs façons de finir le jeu. Quoi. Tu peux être bon ou tu peux être le mec qui parle, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ça, j'avais vu. Ouais, tu pouvais jouer. Tu sais que ce jeu, tu peux le gagner sans te battre. Hein. Ouais, t'esquives tous les combats. Apparemment. T'arrives, tu fais que des dialogues et tu gagnes. C'est possible. Tout est possible. Ok. Bon, bah voilà, ça caratouille bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Là, il ne sait plus rien dire, je ne sais pas quoi dire. Bon, bah à demain, en tout cas. Je ne sais pas si vous allez à Japan Expo. Moi, je serai au stand Nintendo, Splatoon. Hein. Vomer, je vois un petit Vomer, c'est safe. Le salam, hein, le shalom, tout ça, Mazel Tov, Namasté, MST, comment on dit, je ne sais pas. Veloum à nos amis malgaches. Hein. Et voilà, hein, tout est dit, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien. Voilà, tout est dit, Mitchell, hein. Véridique Reverse. Voilà, c'est vraiment les fins de tiroir là. Bon, salut.